Allez, nouveau live, salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouveau live sur Fusion 360. Et alors ce soir au programme, donc euh, comme ce que m'avait demandé Yobi, on va repartir sur un fameux euh, plateau tournant. Euh, j'espère que vous m'entendez tous bien, n'hésitez pas à me dire si euh, vous avez un bon son, et même à passer un petit coucou euh, pour ceux qui sont là. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'ancien plateau tournant parce qu'en fait, euh, donc pour la petite histoire, j'avais déjà fait un plateau tournant une fois. Sauf que. Ah, salut Maïtouk, salut Adrien. Bonsoir à tous, bienvenue les gars. J'espère que vous avez bien soupé. Non, je crois que c'était le chat qui était parti souper. En fait, J'espère que vous allez bien. Et donc, ça, c'était l'ancien euh, plateau tournant que j'avais réalisé. Et en fait, euh, vraiment, je vais remettre un tout petit peu plus de lumière. L'ancien euh, plateau tournant, donc celui-ci, était pas mal, mais il manquait quand même quelques petites choses euh, qui n'allaient pas. Et euh, notamment, en fait, c'était au niveau un peu du montage euh, et de l'impression aussi. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a des, des choses qui se passaient assez mal, en fait. Si je cache cette partie-là. Euh, donc j'étais parti sur une forme un peu comme ça. Je vais reprendre à peu près le, le même concept euh, ce coup-ci. Et en fait, l'endroit le, qui m'a vraiment le plus posé problème, alors déjà c'était le plateau. Euh, parce que regardez, le plateau, en fait, j'avais fait un plateau. Ah, salut Koméga, bonsoir à toi. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh, donc en fait, le plateau, j'étais parti sur un truc creux pour le remplir de résine et en fait ça m'a euh, vachement desservi parce que déjà la résine en fait a fait gondoler euh, le plastique donc du coup j'avais un plateau qui n'était plus plat et, euh, et donc ça c'est un problème je ne suis pas sûr du coup de refaire un plateau en résine parce que euh, je pense que j'aurais tout le temps le même problème euh, avec la résine en fait qui fait chauffer le plastique et du coup en se rétractant et en chauffant en fait ça va faire euh, plier euh, le plastique et euh, deuxième problème que j'ai eu donc c'est au niveau de l'axe ici en fait j'ai séparé les deux euh, J'ai séparé le plateau euh, de l'axe tournant et ça m'a posé énormément de problèmes au niveau de la jonction parce que, du coup, la jonction n'était pas parfaite. Ça a créé en fait un espèce de. Euh, le, les, les cylindres n'étaient pas tout à fait bien axés et, du coup, ça aurait fait que si j'avais mis euh, le plateau, quand ça aurait tourné, en fait, ça m'aurait fait un, un tour qui n'est pas tout à fait droit. En fait, j'aurais eu une tige qui, euh, qui faisait un espèce de, de petit cercle euh, un peu étrange. Donc du coup, euh, du coup en fait là il y a quelques idées qui ne sont pas trop mal et que je pense que je vais reprendre euh, pour, euh, pour celui que je vais faire. Mais sinon il y avait quand même quelques erreurs qu'il vaudrait mieux que j'évite de reproduire. Donc je vais, faire, je vais faire un peu autrement. Et aussi deuxième chose, le plateau était trop haut. Et euh, le plateau trop haut, en fait, ça m'a énormément embêté parce que du coup, euh, déjà, il est haut, c'est pas très pratique. Le plus souvent, vous voyez dans le commerce des plateaux qui sont assez plats, voire même euh, des plateaux non motorisés, on peut en trouver ils doivent être épais de euh, 5 cm grand max. Et donc, euh, voilà, j'aimerais essayer d'avoir un plateau le plus plat possible. Et je me suis donné aussi comme contrainte, donc déjà, remettre le moteur euh, que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, je vais peut-être le réutiliser. Euh, c'est un moteur de micro-ondes. Donc, euh, c'est pas cher, ça coûte 3 euros sur AliExpress. Euh, ça se branche directement sur le monophasé et ça tourne à euh, 5 tours/minute. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez faire tourner un plateau tournant, c'est assez bien. Et ce que j'aimerais aussi, c'est avoir une petite manivelle pour actionner euh, soi-même le plateau à la main. Et du coup, avec un petit jeu d'engrenage, je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez simple. Euh, sinon, ça risque d'être un peu euh, galère. En tout cas, voilà pour le pitch un plateau tournant. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'avoir un plateau tournant qui soit motorisé, du coup avec le moteur de micro-ondes. Et troisième objectif, ça va être d'avoir un plateau tournant qui puisse être actionné aussi avec une petite manivelle sur le côté. Salut à toi, Néo, bienvenue. Et donc, on va pouvoir euh, commencer. J'ai juste regardé s'il ne se passe rien euh, sur Discord. D'ailleurs, bah, ça tombe bien, quelqu'un m'envoie un message euh, sur Discord. Bah, le galérien qui demande à quelle heure commence le live, eh bien, à 21h. Bon, à 21h, pas tout à fait, j'ai pris un peu de retard. Hein. Mais euh, bon, voilà, on est parti. On est, euh, on est sur les ondes. On va pouvoir commencer. Alors, je sais pas trop quelle taille d'imprimante vous avez. Je crois que pour la plupart, vous devez avoir, euh, globalement, ça doit être du 30 par 30 ou euh, de l'Ender 3. Donc, moi, ce que j'aimerais commencer par faire, c'est de réaliser euh, le plateau. Salut Alexandre, bienvenue. Et donc, je commence par réaliser le plateau, parce que tout simplement, le plateau. Euh, c'est une pièce de référence. Enfin, le vraiment le plateau pour moi c'est une grosse pièce, c'est une pièce de référence. Et en plus, elle est simple à faire. En fait, au final, un plateau euh, de, de plateau tournant, c'est juste un gros disque. Donc ça, à modéliser, c'est pas particulièrement compliqué. Et vu que mon imprimante fait en gros 30 par 30, je pars sur un, euh, un 30 par 30, quasiment. Vous savez quoi Je vais mettre 250 mm euh, de rayon, euh, de diamètre, pardon. Pour avoir un plateau euh, un peu massif. J'ai envie d'avoir un truc assez grand. Et en épaisseur. Alors l'épaisseur, je pense que je vais la modifier euh, par la suite. Mais je pense que je vais partir sur du euh, 3 pour commencer. Sachant que passer une certaine épaisseur, ou selon mes paramètres de slicer, je peux avoir de l'infill ou pas. Donc euh, là, je peux très bien avoir 3 mm creux, donc pas très solide, comme 3 mm entièrement plein et euh, très solide. Donc ça sera un peu à moi euh, de jouer avec. Ok, euh, alors je voulais vous dire un truc du coup, mais j'ai oublié. Euh, plateau tournant, non, bah c'est bon. Et donc vraiment, essayer de faire un truc compact. Un truc compact, c'est vraiment euh, l'objectif. Hop, et maintenant, donc je continue. J'ai fait en fait là vraiment, je repars exactement comme la dernière fois. Hein. J'ai fait mon plateau. Donc là, je fais juste un énorme disque. Et ensuite, je vais passer à l'axe ici. Qui euh, va venir euh, bah, du coup euh, gérer la liaison entre le. Enfin, qui va vraiment gérer le mouvement de rotation. A savoir que pour euh, faire mon plateau tournant, ce que j'ai pris, c'est des roulements à billes. Donc là, vous avez un petit roulement à billes euh, comme ceci. Ça coûte vraiment pas grand chose. Euh, si je vous trouve, admettons, un petit lien. Euh, attendez, alors j'ai pas d'idée comme ça. Mais je pense que si on va sur Decathlon. Euh, vous pouvez avoir largement des roulements à billes pour un prix euh, vraiment imbattable. Hop, roulement à billes. Alors là, c'est sur 1, 2, 3 roulements. Donc 1, 2, 3 roulements, c'est vraiment une boîte qui vend que des roulements. Vous pouvez en avoir pour toutes les tailles. Si jamais vous voulez vous faire euh, n'importe quoi avec des, des roulements, vous pouvez aller là-dessus. Mais là, voilà, par exemple, sur Decathlon, 10 balles les roulements, euh, voire même moins cher, 3 euros. Donc euh, si vous avez besoin de roulements, n'hésitez pas à prendre cela. Je pense que normalement ils sont de la même dimension que ceux que j'ai en main. Euh, parce que c'est des, euh, des tailles à peu près standard. Donc euh, voilà, pour ça c'est pas très cher. Hop là. <laughs> Pardon, excusez-moi. Et donc en fait, pourquoi euh, je mets un roulement à billes euh, Tout simplement parce que les roulements à billes, c'est vachement bien pour avoir des mouvements très très lisses. Et euh, moi vraiment ce que je veux, c'est en fait pouvoir vous faire un présentoir de mes impressions 3D. Euh, non, c'est pas du tout un placement de produit. comme les gars. Euh, c'est pas demain la veille que je vais faire un placement de produit pour... Euh, pour comment ça s'appelle Pour Décathlon. Alors je vois même pas pourquoi il me... Il me euh, déroulement. Mais euh, non, non. Il n'y a rien avec... Il euh, n'y euh, a rien du tout avec eux. C'est promis. Non, non, moi j'attends encore... Euh, J'attends encore le placement de produit avec 3D connexion. Enfin, ce sera pas un placement de produit, ça sera, euh, ce sera une vidéo juste sponsorisée. Ah pardon le chat, alors j'avais pas vu le chat si t'étais. Euh... Ah ouais, j'avais pas fait attention, j'étais pas sur le bon. Ok très bien. Salut le chat, je t'avais pas vu, je sais pas s'il y a des gens sur Twitch. Euh, autant pour moi, j'avais pas mis le bon affichage. Euh, C'est bon, normalement tout est réglé. Parce que moi, je ne voyais pas. J'ai un deuxième écran qui me permet de visualiser euh, vos messages. Et j'avais pas fait attention, j'étais pas sur le bon. Euh, le bon panneau, tac. Alors, en gros, là encore, je vais quand même côté un peu, parce que vraiment, sinon c'est un peu infâme ce que je suis en train de faire. Euh, même pas faire 80, je vais faire un... Vous savez quoi, je vais faire un loft ici, à cet endroit-là. L'idée, c'est de faire, de commencer, du coup, de partir sur un axe. Et en fait, je vais faire juste un cône qui va me permettre... Salut à toi, Olivier Belgium, merci euh, pour le like. N'hésite pas à faire un petit coucou dans le chat. En fait, ce que je veux, c'est faire un petit cône pour que, en gros, euh, vous savez quoi, je vais vous faire une petite démo. Je vais vous montrer ça directement avec un petit schéma. Vous allez bien comprendre le truc. Euh, roulement, hop, schéma. Ah, salut euh, le galérien aussi. Je ne vous avais pas vu sur le live, désolé. Euh, J'avais pas fait attention que je pas sur le bon onglet Twitch. Donc euh, j'ai peut-être raté un peu de monde. Alors, si je veux vous montrer un bon exemple de comment utiliser un roulement à billes. Euh, pour de la modélisation 3D, il faut que je vous trouve une bonne image, un truc vraiment qui soit assez représentatif. Alors là, c'est dommage. Il euh, y a des cônes. Est-ce que j'ai tapé schéma euh, Éventuellement blueprint. Voilà, j'aime bien utiliser les termes en anglais dans Google parce que ça vous permet souvent de retrouver euh, des choses que vous n'aviez pas forcément euh, en français d'avoir des termes parfois qui sont peut-être un tout petit peu plus précis. Et euh, ce qu'il me faut en fait vraiment pour vous expliquer le pourquoi du comment, ça serait que je trouve vraiment une vue en coupe euh, exacte d'un roulement. Tac. Alors ici, il n'y en a pas sur un 2-3 roulements. Donc vraiment, l'avantage d'un trois roulements, c'est qu'ils vendent tout et n'importe quoi en termes de roulement habillé. Euh, tac, tac, tac. Alors est-ce que là on voit Là on voit pas vraiment. Mais on. Ah si, là à peu près on voit à peu près. En gros ici vous avez une vue en coupe en fait... alors attendez, parce que moi je le cache, j'avais pas fait attention mais il y a ma grosse tronche dessus. Euh, ouais je vais prendre en fusion... Euh, en fait non même pas, j'ai déjà un roulement qui traîne en, en modélisation 3D. Euh, Qu'est-ce que je veux dire je, En fait vous voyez ici ça c'est un roulement à billes. c'est une vue en coupe. Et en gros, en fait, le roulement, il, est... il y a deux cylindres dedans. Il y a vraiment deux cylindres importants. Vous voyez, je vais peut-être vous le mettre en grand écran, comme ça, vous allez vraiment bien voir. Regardez. Vous voyez là, en fait, il y a deux anneaux métalliques. Et en fait, c'est les deux axes qui peuvent glisser sur le roulement. Et en fait, l'idée, ça va être de faire en sorte que mon plateau repose uniquement sur l'anneau le... métallique intérieur. Et en fait, pourquoi ça Parce qu'en fait, sinon, ça va frotter tout simplement. Si je pose mon plateau sur l'anneau métallique extérieur, ben en fait, les deux, ils vont, euh, ils vont, venir se frotter entre eux et euh, ça va être, euh, ça va faire un peu n'importe quoi. En fait, vous n'allez pas vraiment avoir l'avantage euh, du roulement à Hop, euh, qu'est-ce qu'il disait J'ai pas compris. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire là de déplacement, euh, de pas aimer les conseils Qu'est-ce qu'il a fait comme gars encore Et non bûcher on peut pas faire de. En fait, vu que je multi-stream, bûcher je peux pas faire euh, de sub parce que tout simple, tout simplement en fait, euh, Twitch n'autorise pas le multi-streaming. Donc euh, du coup c'est tout. Hop, alors on part là-dessus. Hop, je finis ma sketch et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit plan qui part de là. Ok et je me cale juste comme ça on va dire je vais faire un, euh, un espace de 5 mm faut que j'essaie de faire un truc compact parce que sinon euh, je me connais je vais avoir un truc qui sera trop épais et donc comme je l'ai dit l'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez euh, étroit pour éviter que ça prenne trop de place et euh, bah, du coup quand même salut à toi Blublu hein, ça fait plaisir de te voir sur le live j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure euh, non mais c'est vrai que les gens ne savent pas qu'au qu'on a une relation très intime et euh, très fusionnelle entre nous. Tac. Donc là je suis juste, je mesure rapidement avec mon pied à coulisses et euh, du coup je vois que le diamètre ici de mon euh, de mon roulement à billes, ça fait à peu près 17. Donc en gros là mon petit cercle ici il doit faire 17 mm de diamètre pour reposer uniquement sur l'anneau intérieur. D'ailleurs il va peut-être falloir que euh, j'importe le roulement à billes pour vous montrer. Et là, bah, tout simplement, hop, je fais un petit loft pour que les deux hop, fusionnent ensemble. Très bien, déjà ça, euh, c'était pas bien compliqué. Je pense que globalement, ça, tout le monde quand même connaît. Et là, je vais pouvoir comme ça importer mes roulements euh, directement. Enfin, je les ai modélisés euh, du live précédent. Et euh, comme ça, ce sera un petit peu plus visuel pour vous. Euh, hop, je le sauvegarde, comme ça je peux importer des components. Euh, très bien, je laisse, euh, je laisse dans le plateau tournant. Hop, ça, y est, ça charge. avec le cloud et du coup maintenant je peux importer euh, tous mes modèles 3D. Tac. Et voilà. Alors c'est vrai, le Galérien, les jeux mécaniques. Euh, ici le jeu mécanique le plus important, je dirais, c'est le jeu avec euh, du coup l'axe de rotation. Pour moi c'est le, c'est vraiment. Euh, le jeu le plus important normalement ça devrait se faire en fait en général moi je, je ponce en fait après euh, parce que sinon tout simplement c'est un peu galère d'avoir vraiment un, un truc parfait avec euh, une imprimante 3d donc c'est vrai que là l'axe je sais que l'axe je vais devoir le poncer un peu ok donc là en fait on voit bien comme ça que mon plateau euh, si je vous fais une petite vue en coupe donc alors pour faire une vue en coupe, vous allez dans, euh, dans Inspect Section Analysis et ensuite en fait il vous propose de sélectionner un plan euh, sur lequel va se faire la vue en coupe. Ok, je valide. Et donc en gros bah, l'idée en fait on voit bien que euh, ce que je voulais a été respecté. Je vais reposer que sur la bague intérieure. Donc comme ça en fait je vais limiter mes frottements. Euh, et en fait ce petit cône me permet d'éviter que euh, mon plateau touche mon roulement à billes en fait tout simplement. Euh, ah salut le chat, enfin du coup oui, salut sur Youtube, merci de venir mettre un petit pouce bleu le chat, euh, ça fait plaisir. Euh, et du coup voilà, donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai fait le petit cône, juste pour éviter que les deux se touchent. Et maintenant tout ce que j'ai à faire c'est que je vais tirer un axe, et cet axe va me servir à faire tout simplement euh, l'axe qui va venir s'insérer à l'intérieur du roulement habit. Ok euh, je dégage ça et je cache mon roulement en attendant. Alors là, je n'ai pas fait un truc très, très esthétique, mais ça n'a pas d'importance. Là encore, vraiment en plus, là, le début de cette modélisation, allait est quand même assez simple, je trouve, parce qu'on part sur des cylindres, on part sur des axes. Le véritable enjeu d'un plateau tournant, je trouve, après, je sais pas si vous en avez fait de votre côté, mais euh, je trouve que c'est de réussir à gérer les jeux pour avoir un truc fonctionnel. Et donc là, l'intérieur de mon roulement à billes, donc vous voyez, là, je l'ai calé à l'intérieur de mon pied à coulisses. C'est à peu près 11,94. Donc normalement c'est 12. ça doit être 12 mm à peu près ajusté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Alors je vais mettre la cote. Donc c'était du. Euh, J'ai déjà oublié ma cote. C'est 12. C'est 12. Donc je vais mettre 11.5 pour respecter à peu près des jeux. Pour faire en sorte en fait, que mon axe glisse facilement à l'intérieur de mon roulement à billes. Et ensuite après je vais vous expliquer un truc sur euh, le, les jeux mécaniques avec le roulement à billes ok et donc là si je regarde à peu près mon roulement euh, mon roulement qui n'est pas bien épais donc j'ai pas besoin de faire un truc trop long je suis juste 30 mm et je pense que je vais raccourcir un peu euh, par la suite donc là vous voyez normalement mon roulement viendra se bloquer juste comme ça pas plus et ensuite le carénage je viendrai le faire après parce que le carénage au final le capot qui va cacher l'ensemble j'ai pas trop besoin euh, de m'attarder dessus ok très bien donc voilà, là vous voyez bien que ici, si je me mets bien en vue de dessus, tac, il y a un tout petit jeu. Peut-être que je vais le réduire entre le roulement et l'axe pour euh, que les deux puissent se monter. Ok. Ensuite, euh, ensuite, ensuite. Qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien maintenant, je pense qu'on peut faire le, euh, on peut faire en fait le logement du roulement à billes, parce que du coup le roulement à billes il va bien devoir. Euh, se mettre quelque part Et si on regarde de la précédente modélisation En fait tout simplement j'avais fait une pièce un peu compliquée euh, J'avais Alors je cache les autres Hop plateau euh, Pouf 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 lui il s'appelle comment Il s'appelle axe Hop hop Donc en fait voilà j'avais fait ça Ce logement là en fait pour réussir à euh, rentrer mes roulements à billes Et faire en sorte que du coup Il, euh, il soit calé et qu'il ne bouge pas Donc euh, bah donc je vais faire un truc à peu près similaire et le plus dur, en fait, je pense que le plus dur, ça va être de réussir à caler le moteur synchrone à l'intérieur de tout ça. Ça va être un peu chaud. Euh, c'était ça que vraiment c'était pour ça. Il me semble, de, de mémoire, c'était vraiment le roulement à billes qui m'avait fait. Euh, enfin, non, c'était le, le moteur synchrone à ajouter qui m'avait vraiment fait galérer. Et euh, le tout, ça va être de réussir à faire quelque chose de, qui fonctionne assez bien, sans pour autant se rater. Donc, l'idée, pour avoir un truc compact. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici et je vais faire juste un, euh, petit, un petit, cylindre en fait qui va venir recevoir mon euh, roulement à billes. Donc je reste comme ça, Tac. Ok. Et là, je ne vais pas me prendre la tête. J'ai utilisé la fonction euh, toc. J'ai utilisé cette fonction là. Alors je vais cacher hop, mon body. Attendez, je reviens en arrière, hop, je cache, et là je fais une extrusion. Parce que là, du coup, je vais partir sur un autre body, donc j'ai pas besoin de, de l'ancien. J'utilisais du, du coup la fonction fine, extrude, qui est du coup une fonction quand même qui est vachement intéressante, et qui est parfaitement en fait adaptée aux besoins que j'ai de réaliser un logement pour le roulement à billes. Et euh, du coup, je vais vous montrer comment je l'optimisais un peu le truc. Tout simplement, ce que je vais faire... Je vais regarder le diamètre extérieur de mon roulement à billes. Donc au moins, là, ça vous montre une petite méthode pour utiliser la fonction Fine Extrude euh, qui vient de sortir et qui est quand même, je trouve, assez intéressante. Tac. Donc voilà, à peu près, là, mon roulement à billes, je viens de mesurer, il fait 28 mm de diamètre extérieur. Donc ici, je renseigne 28. Je vais mettre 28.2, histoire de gagner un tout petit peu de jeu mécanique, mais ça ne va pas changer grand-chose. Et ensuite, ce que je fais... C'est tout simplement, alors je sélectionne tout le monde, ok, et je fais Fine Extrude ici. Donc, on va voir ce que ça me donne. Il me dit que l'objet est invisible. Ok, c'est normal, voilà. Donc, du coup, grâce à Fine Extrude, euh... oui, euh, ok, pardon, j'avais le petit message, euh, non, mais c'est pas un souci, le chat, c'est juste euh, pour me dire ce que tout à l'heure, j'avais euh, essayé d'importer un composant sans sauvegarder, du coup, il me disait qu'il ne pouvait pas importer de composant sans avoir sauvegardé, mais c'est pas Ça va, rien n'est cassé, pas de panique. Et du coup, bah, Fine Extrude, euh, la voilà. Et le gros avantage, en fait, si je cache euh, le roulement, parce que là, on n'a pas d'intérêt. Fine Extrude, du coup, me permet de gérer immédiatement l'épaisseur de ma paroi. Mais aussi, il me permet, du coup, de choisir où est-ce que je vais créer ma paroi. Et par exemple, du coup, la distance, hein, comme une extrusion euh, normale. Et si on se rappelle bien, quand j'ai fait là mon cercle d'esquisse, donc il ne se voit pas très bien. Vous voyez, regardez ici, j'ai fait mon cercle que j'ai dit à 28 mm. Donc je sais que maintenant, là, mon, mon cylindre pour recevoir le roulement, il doit être à l'extérieur de ça. Eh bien, regardez ici, vous avez wall location. Et du coup, avec wall location, par exemple, vous pouvez dire soit vous le faites à l'extérieur de votre esquisse, soit vous le faites à l'intérieur. Donc là, par défaut, il est réglé à l'intérieur. Et du coup, là, je le dis à l'extérieur. Et du coup, automatiquement, il va se placer à l'extérieur. Et maintenant, je sais que mon roulement. Bah, il peut rentrer en fait dans mon cylindre parce que je sais que le cylindre a été créé automatiquement à l'extérieur. Donc moi bah, je trouve que c'est vraiment un des avantages euh, de cette fonctionnalité. Ça permet de faire des trucs quand même euh, assez simplement. Là, je n'ai pas eu besoin de faire deux esquisses. Euh, enfin, de, plutôt de faire deux sketchs à l'intérieur de mon esquisse. Tout simplement, je fais un cercle. Je le cote à peu près avec une valeur importante et c'est terminé. Ok, alors tac, donc je fais. Mon body, il faut que je fasse quelque chose de compact, toujours. Ok, donc ici, je vais dire 25, ça me paraît pas mal. Ok, et... Et, 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 ce qui peut me gêner éventuellement. Alors regardez, moi j'utilise aussi énormément le section analysis, ça c'est très important, pour voir si tout se monte. Regardez, tac, je ramène mon roulement. Et en fait, le section analysis, ce qui me permet de voir actuellement, c'est que... Mon, euh, mon cylindre qui reçoit le roulement n'est pas en contact avec mon plateau, donc il ne va pas gêner pour tourner. Et aussi, ce que je peux voir, c'est que du coup, euh, bah, mon roulement est toujours bien en contact avec mon axe déjà, et ensuite, il est en contact de la bonne manière avec mon plateau. Ah euh, oui, je sais que beaucoup de monde me demande de passer fusion euh, en français, mais euh, bon, bah, du coup, moi, pour faire mes recherches, c'est quand même beaucoup plus pratique euh, de l'avoir en anglais. Et après, du coup, c'est toujours un peu la même question que je vous pose. Est-ce que vraiment ça gêne à la compréhension Que de votre côté, vous l'ayez en français, oui, ok. Mais est-ce que du coup, le fait de regarder une vidéo ou le logiciel en anglais, est-ce que vraiment ça vous met des bâtons dans les roues C'est toujours un peu la grande question. Voilà. S'hydrater, c'est la clé. Voilà. Donc, déjà, quasiment mon logement, il est un peu trop grand. Je pourrais faire un truc encore plus compact. Comment je pourrais faire Ok, c'est bon, je vois à peu près. Donc là, je pense que de toute façon, ça c'est trop long. Donc je peux le, vraiment le raccourcir au max. Je préfère presque 15. Ouais, ça va. Bon, si vous, si vous avez les dessins, si vous, si vous me dites que vous avez les dessins que ça vous suffit, que ça ne vous perturbe pas trop de ne pas avoir le logiciel en français. Moi, ça me va. Après, je sais qu'il il y a de plus en plus de gens qui s'en plaignent. De toute façon, il y a toujours de plus en plus de gens qui s'en plaindront, c'est certain. Euh, plus les vidéos seront vues et plus les gens euh, voudront avoir le logiciel en français. Ça, c'est une certitude. Mais donc, voilà, c'est. Euh, euh, je préfère toujours quand même vous demander un petit peu, histoire d'être sûr que personne n'est euh, trop perturbé du fait que ce soit en anglais. Sans, après, j'essaie de vous montrer le chemin précis, de vous dire vous allez dans Modify, ensuite vous allez dans Speedface, et euh, voilà. Donc. Euh et sinon c'est un peu toujours la question à un million de dollars. Euh, salut David, bienvenue. On parlait du logiciel en français en anglais. Euh, en franglais, bah en français... Mais en fait je trouve vraiment que la traduction française ne veut pas dire grand chose. Moi vraiment comme vous me disiez embossage, c'est loft. Pour moi, embossage, déjà en français, ça ne veut pas dire grand chose. Ça me parle pas plus que ça. Euh, ensuite, sweep oui. Puis même, je trouve que les, les traductions sont un peu moisies, parce que regardez pattern. En anglais, pattern ça veut dire motif. Ils l'ont traduit par réseau. Et euh, je trouve que c'est pas vraiment le truc le plus adapté. Ça ne veut pas dire grand chose réseau alors à moins qu'ils le changent tôt ou tard. Euh, je ne sais pas. Enfin, voilà, ça c'est le grand débat. De toute façon, sur Solidworks, c'est pareil. C'est les mêmes traductions et je trouve qu'elles sont tout aussi claquées. Voilà. Si jamais Autodesk, Autodesk m'entend, euh, sachez que je vous aime. Vraiment, je vous aime. N'hésitez pas à offrir des licences gratuites. Alors, du coup... Donc là j'ai mon cylindre très bien. Ici l'axe il va être un peu trop long donc je vais le raccourcir après, mais de toute façon pas de souci, je peux modifier à n'importe quel moment. Et euh, ce que je vais rajouter là maintenant, alors déjà aussi grande différence par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais fait deux roulements à billes. Et là je pense en fait deux roulements à billes c'est trop, ça ne sert à rien donc je vais en mettre qu'un seul. Et du coup alors petite info pour ceux qui du coup veulent utiliser des roulements à billes dans mon modélisation. Sachez qu'il y a une technique pour euh, monter des roulements. Il faut en fait que le roulement il soit bloqué à un côté et qu'il ne soit pas bloqué de l'autre. Donc en gros, il faut que l'axe glisse librement et que par contre, le réceptacle du roulement à billes soit serré à mort. Alors c'est un peu dit à la barbare, euh, c'est pas forcément très clair, mais en gros, il faut que là, mon roulement dans son logement ne puisse pas tourner et par contre, il faut qu'il puisse tourner librement sur l'axe. Voilà, c'est des règles pour monter les roulements, pour optimiser leur durée de vie. Donc ça, si vous modélisez des roulements, ça peut être très intéressant à savoir. Euh, ça peut être très pratique. Et je crois aussi que c'est moins galère pour les monter du coup. C'est plus simple pour euh, les mettre en place. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis. Après, moi, j'ai eu des cours là-dessus qui duraient plusieurs heures. Donc on ne peut pas vraiment résumer la chose en euh, deux minutes. Mais euh, ça, c'est vraiment euh, le, le, la partie émergée de l'iceberg. Il faut qu'il soit serré à un endroit et desserré à l'autre, tout simplement. Ok, et maintenant, bah en fait, tel quel, mon roulement, bah, imaginons que ça, c'est le, le plat de mon plateau, c'est le bas, c'est la partie où il sera posé au sol. Mon roulement, il peut tomber. Donc, il faut tout simplement que je crée un truc qui me permette, en fait, de bloquer le roulement. Donc, tout simplement, ce que je peux faire, alors je retire le section analysis. <coughs> Pardon, pas tarder à crever. Euh, tac, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une extrusion. Alors attendez que je réfléchisse. Euh, je vais créer une extrusion. Donc pour ça, tout simplement. Au lieu de m'embêter à recréer un cercle, je crée tout simplement un project. À partir de ce qu'on avait là. Et du coup, ce project, bah, en fait, m'a créé un profil. Et du coup, bah, ce profil, là encore, je vais refaire un fine extrude qui me permet euh, de tout, ne pas avoir à refaire en fait des... Euh, comment dire des, euh, tout simplement des, euh, des esquisses supplémentaires je, juste, je projette mon cercle je crée un fine extrude et ensuite je pilote l'intégralité euh, de mon extrusion grâce à ça donc là je vais pouvoir mettre la wall thickness qu'il faut et tout ça donc je me remets en section analysis ok et je me mets là très bien et là l'idée du coup je sais que mon premier cylindre ici fait pile poil le bon diamètre euh, de mon roulement et euh, du coup, il faut que je mette, euh, que je mette un diamètre de à peu près. Donc là, je mesure. Il n'y a pas vraiment là de science exacte. Je peux mettre deux bons millimètres, voilà, d'épaisseur, pour que comme ça, en fait, mon roulement à billes repose sur un plat au fond. Euh, alors, bonne question de Néo. Comment je fais pour rentrer mon roulement à billes, euh, en pratique euh, tout simplement, ça dépend de la façon dont tu as contraint. Si vous faites quelque chose de très serré, il va falloir forcer à mort pour le rentrer. Et euh, dans l'industrie, il y a plusieurs niveaux de, de contraintes. Donc, soit par exemple, vous l'avez tellement contraint que vous êtes obligé de euh, geler la pièce pour qu'ensuite ça rentre dedans. Soit là, je vais faire quelque chose de serré, mais tout simplement, je mets un coup de marteau dedans et normalement, c'est censé rentrer. Donc voilà, je le contrains comme ça. Après, avec vos imprimantes 3D, comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, n'y a pas vraiment de bonne manière. Vous, avez, enfin, vous allez forcément avoir des, euh, des petites contraintes. Où vous êtes forcément obligé de poncer un coup pour avoir quelque chose euh, de propre. OK, donc euh, 8. Mais là, normalement, j'essaie de faire un truc... Euh, alors, j'ai déjà fait des roulements à l'étau. Ça m'est déjà arrivé. Le problème, c'est que l'impression l'a cassé après. Enfin, euh, cassé après. J'avais un peu bourriné et euh, du coup, j'avais euh, pété l'impression. Mais normalement oui on peut faire des impressions à l'étau Ok donc là ça fait 15 Très bien Et mon roulement fait 8 d'épaisseur Donc normalement euh, bah, tout simplement je fais 15 moins 8 et je mets encore un moins devant Tac Ça n'a pas fait du tout ce que je voulais euh, Ah non ça fait moins 15 moins moins 8 Ok autant pour moi j'ai mal mis mes, euh, mes signes euh, Tac voilà et donc là normalement, hop, je valide. Et si je vous fais réapparaître le roulement, je le positionne ici. Vous avez un logement pour le roulement. Et vous pouvez voir que j'ai respecté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que euh, chacune des bagues ne, euh, ne rentre pas en conflit. Alors pièces en métal au congélateur. Écoutez, vous pouvez tenter ça euh, si jamais vous voulez faire des, des ajustements, pardon, euh, des ajustements très serrés. Vous pouvez effectivement tenter de mettre vos pièces au congélateur euh, pour voir si vous arrivez à les rentrer. C'est tout à fait possible. Euh, sur un malentendu, si vous n'arrivez pas à monter un roulement, vous le mettez au congélateur. C'est possible qu'il réussisse à rentrer. Je vous assure pas que ça va, ça va rentrer, mais c'est euh, pas impossible. Par contre, après, vous ne pourrez plus le ressortir. C'est terminé. Soit vous cassez, soit vous arrivez à, euh, par miracle, je ne sais pas, le ressortir. Mais normalement, euh, c'est pas possible. En tout cas, voilà. Déjà, euh, j'arrive à peu près à respecter mon cahier des charges, c'est-à-dire avoir un truc plat. Et, euh, ouais, parce que là, vraiment, c'est quand même beaucoup plus plat. Et, euh, et du coup, mon roulement à billes va bien reposer. À savoir aussi un deuxième truc intéressant, parce que c'est un peu le live des roulements à billes. Ce soir, c'est leur soir, ou ce soir, on parle de roulement à billes. Quand vous allez euh, mettre le roulement sans charge, ça risque d'être un peu euh, instable, ça risque de pas forcément être très propre, je pense. Et normalement, en fait, c'est quand vous chargez un roulement à billes, quand vous lui mettez euh, du poids sur la tronche, en fait, il va se mettre à tourner correctement. Donc, en fait, c'est euh, aussi un des trucs des roulements à billes. Euh, normalement, voilà, si, en fait, si je prends un roulement euh, comme ça et je le fais tourner, il s'arrête tout de suite. Alors que si je lui mets un peu de masse et un peu d'inertie, je le lance et vraiment là ça tourne très bien. Donc pour qu'un roulement à billes tourne très bien, il lui faut un peu de charge et euh, après ça n'aura aucun problème. Ah, tout qui fait de la mécanique moto, effectivement, pièce métal au congélateur, bah du coup ça veut dire que ça marche. Ah c'est bon à savoir ça. Donc sur, bien entendu, après je suis pas sûr, euh, le plastique quand même a un... Alors attendez, ici je... Si je vais mettre un petit euh, pouf 28. Euh, non, je peux même mettre moins. Le plastique, je crois qu'il doit avoir un coefficient de dilatation quand même qui est bien inférieur euh, au métal, donc je pense que ça sera un peu moins sensible, mais ça peut quand même fonctionner. Moi, je dis oui, je valide l'idée à les vendeurs euh, mettre des pièces au congélo, c'est quand même pas mal. Ok, très bien. Alors maintenant, il faut que je trouve un moyen d'intégrer le moteur. Et là, le moteur, vraiment, ça va être euh, une chie pour le mettre dedans, euh, parce que vraiment, à la dernière fois, j'avais un peu galéré. Alors dans ce genre de cas, quand vous avez deux pièces qui doivent travailler ensemble, ce que vous pouvez faire, hein, ce qui est vraiment une très bonne solution, c'est tout simplement, sur un live précédent, j'avais modélisé le moteur à l'avance, et bien tout simplement, je viens récupérer le modèle de mon moteur. Tac. Donc qui a été assez simple à modéliser, hein, ça casse pas forcément trois pattes à un canard. Euh, attendez, il est passé où euh, Oui, il est caché Il n'est pas caché. Pourquoi mon moteur est invisible là Moteur synchrone. Euh, à tous les coups, il est invisible ici. Non, même pas. Pourquoi le moteur il est invisible C'est quoi cette blague euh, Attendez, petite minute. Pourquoi mon moteur est invisible Ok, là, il est là. Euh, Origine ici. Très bien. Alors ça, c'est ballot. Ah, toutes mes pièces sont invisibles. Attendez. Ah, mais ben oui, je sais pourquoi. Je sais. Mais ben oui, bien entendu, euh, ils sont là. Bah ben oui, ils sont là. Ils étaient cachés, euh, tout simplement avec le section analysis autant pour moi. Mais donc voilà, quand vous avez deux pièces qui doivent travailler ensemble, c'est hyper intéressant de modéliser euh, les deux pièces et de les regarder dans un assemblage pour voir comment euh, elles, elles évoluent entre elles et pour en fait vous donner une idée euh, de l'empattement. À savoir que du coup dans l'industrie, euh, le, le fait de pouvoir, hop, tac. Le fait de pouvoir modéliser des pièces dans l'industrie, c'est hyper important parce qu'en fait, ça permet d'économiser euh, un paquet de temps et surtout un paquet de pognon. Parce que du coup, en fait, vous, euh, vous savez à l'avance en fait comment vos pièces vont interagir entre elles et euh, pour l'industrie, ça, ça vaut de l'or. Euh, système par l'évitation avec deux aimants néodyme. Je suis pas sûr qu'on puisse faire léviter euh, des choses avec un aimant néodyme. Euh, très honnêtement, je n'ai aucune idée. Euh, je sais que dans la boîte où je travaillais avant ils avaient des, des roulements à billes à l'évitation magnétique. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment applicable à notre niveau quand même. Et puis le coût aussi, bien entendu. Euh, le coût d'un euh, palier à l'évitation mécanique devait être quand même assez énorme. Et euh, Et de toute façon, c'était pour tourner à 60 000 tours minutes Donc euh, avec un roulement à billes normal, euh, vous n'avez pas besoin de ça. Enfin dans une application normale plutôt. Ok, donc là c'est pas trop mal. Une possibilité, une bonne possibilité, euh, serait que tout simplement, je vienne ici faire un trou, create sketch, euh, continue, un trou ou une demi-lune pour faire rentrer l'axe de mon roulement à billes. Hop, je vais la coter juste après. Je laisse juste la cote traîner comme ça, euh, parce que je ne me rappelle plus du diamètre tout simplement de mon roulement à billes. Tac, euh, de mon moteur synchrone, pardon. Donc c'est à peu près du 7, je vais mettre, euh, mettre 7.5, ça ira très très bien. Hop. Donc voilà en fait ça c'est une des possibilités. Ça serait la manière la plus simple d'intégrer euh, mon, euh, mon roulement, mon moteur. Puis je ne vais pas y arriver ce soir. Ça serait tout simplement, je crée un trou. Hop. Et à partir de ce trou, hop là. Je fais une extrusion, moins 8. Et du coup, dans cette extrusion, bah, vous voyez bien que je vais pouvoir faire rentrer mon moteur là-dedans. Et normalement, vu que j'ai respecté la demi-lune, euh, vu que j'ai respecté la demi-lune, normalement, ça ne, devrait, euh, ça ne devrait pas pouvoir bouger, ça ne devrait pas pouvoir tourner sur lui-même. Sinon, vous pouvez mettre une vis de pression. Euh, les liaisons, euh, les joints, le galérien j'imagine, du coup, euh, en fait je n'utilise pas tout de suite parce que vu que j'ai pas terminé mon modèle, en général je mets les liaisons quand j'ai tout fini et que je veux juste voir que tout tourne, tout simplement. Voilà. Euh, alors un combine, euh, effectivement ça serait aussi une possibilité, vous voyez j'ai bien modélisé euh, mon moteur précédemment et du coup ce que je pourrais faire, regardez, si je prends mon components je fais, ah. ce que je peux faire éventuellement c'est, voilà, j'ai fait mon components et je le fais rentrer dans ma matière, comme ceci alors je vais vous le faire à un endroit pour que vous puissiez bien voir euh, donc on va le faire là admettons, voilà, imaginez vous positionnez bien votre moteur comme vous le souhaitez vraiment pour que ça soit pile poil comme il faut là je le positionne juste à la barbare pour vous montrer ce que vous pouvez faire éventuellement c'est aller dans modify combine et euh, je capture la position c'est très important je sélectionne le body sur lequel je veux travailler et ensuite mon moteur et je fais un euh, cut par exemple. Voilà. Tac. Et je cache le moteur. Et en fait, regardez, ça me permet de récupérer la forme du moteur. Euh, et du coup, de soustraire un bout de mon modèle 3D avec euh, le moteur. En fait, le modèle 3D de mon moteur me sert d'outil directement. C'est une possibilité. Vraiment, c'est euh, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Après. Euh, je, je ressens pas trop le besoin. Le, le gros défaut en fait, c'est que c'est conditionné à la position de votre moteur. Euh, ça c'est plus un style de modélisation. Vous voyez, c'est vraiment le genre de truc. Moi, ça me plaît pas trop de faire comme ça, mais si vous êtes à l'aise avec cette méthode, euh, franchement, elle fonctionne tout aussi bien. Donc, euh, pourquoi pas le faire avec C'est tout, tout simplement. Après, comme je dis toujours, à partir du moment où ça fonctionne et que c'est aussi beau euh, que vous le souhaitez, euh, bah c'est bon qu'en fait. Hein, pas besoin de se prendre la tête. Tac. Donc voilà, ça ce serait la méthode la plus euh, barbare pour le faire. Et j'ai un peu envie de garder cette méthode, je pense que c'est euh, la méthode la plus simple. Par contre, en fait, ce qui m'embête, c'est un, un peu le montage. Tout simplement. Alors attends, ce que je vous propose, effectivement, je vais bouger mon moteur, une bonne fois pour toutes. Et... Euh, Tac, je vais bouger mon moteur. Ah, attendez, je réfléchis une seconde. D'ailleurs, si vous voulez débattre, allez, pendant que je réfléchis deux secondes, euh, la prochaine vidéo, ça va être sur un tournevis. Et donc, euh, c'est apprendre à modéliser un tournevis. Et l'autre d'après, je pensais faire comment modéliser une pelle. Donc voilà, je, le temps que je réfléchis. si jamais vous avez des choses à modéliser qui vous plairaient, ou même si l'idée de faire une pelle ne vous plaît pas des masses, euh, n'hésitez pas à le dire là maintenant dans le chat, comme ça. Euh, j'en tiendrai compte demain pour tourner la prochaine vidéo. Ok, alors je peux faire comme ça. Ouais, ça peut se monter quoi. Ça peut se monter. Ok. Donc vraiment le, le plus le plus emmerdant, c'est vraiment de réussir à faire en sorte que euh, tout se monte. Hein. Ah, mais si je peux faire comme as. Euh, tac, tac, tac. Oui, donc l'idée de faire une pelle, euh, pour donc, pour la prochaine vidéo, pour ceux qui n'ont euh, qu pas suivi, l'idée de faire une pelle, en fait, c'est de vous montrer comment utiliser le Create de forme. En fait, c'est de faire une vidéo débutant en créé de forme. Enfin, voilà. Euh, ok, donc là, je vais rajouter le contour. En gros, si vous regardez ici, sur l'ancien euh, plateau, ça ressemble à. Je ne vais pas réussir à le retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait Ponons. Ça, c'est le licorne. Euh... J'ai perdu la pièce. Axe, axe, axe. Ah, j'ai perdu ma pièce. Voilà. C'est celui-là. Tac. Donc là, maintenant, ce que je vais rajouter, c'est cette partie-là. Pour, euh, disons, travailler un peu sur le, euh, sur le carénage. En fait, euh... ça, ça va être mon gros body et ça va me permettre de travailler sur le reste. Je vais vous montrer. Je suis pas très clair là, c'est normal, je vais vous montrer. Tout simplement, je crée une esquisse, euh, je continue comme ça pour le moment. Et ce que je vais faire, hop, tac. Ce que je vais faire, tout simplement, je sélectionne tout ce beau monde, je vais faire une extrusion. Ok. Par là-bas. Ok. Donc je fais un new body. Et un fine, euh, un fine extrude. Donc ça me permet en fait de faire rapidement une coque pour l'ensemble de mon modèle. Et euh, ça va m'aider en fait à créer des liaisons entre les différentes pièces pour, euh, pour solidifier tout ça. Ok, on va dire je fais 35, épaisseur je vais faire 2 mm. Éventuellement, je peux le changer. Question optimisation euh, d'impression 3D. En général, vous me demandez souvent ça. Euh, vous me demandez souvent en fait comment j'optimise mes modèles 3D euh, pour l'impression 3D. Eh bien en fait tout simplement, par exemple ici j'ai une paroi fine. Et en fait, euh, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver des multiples de 0,4, parce que vu que j'imprime avec une buse de 0,4 mm, ça me permet de savoir combien de fois mon imprimante va faire deux tours. Donc combien de fois elle va faire de murs, donc comme ça je connais un peu la solidité de ma pièce. Et aussi, ça me permet de savoir si oui ou non je vais avoir euh, de, euh, de l'infill, c'est-à-dire enfin, du remplissage, si je vais avoir une zone un peu creuse. Et donc là normalement, bah, par exemple, ce que je pourrais très bien faire, je ne le fais pas forcément tout le temps, mais je pourrais très bien dire, je fais 0,4 fois euh, par exemple 4. Et du coup, là, ça va dire que je vais faire 0,4 tour pardon, euh, de buse. Donc je vais avoir un mur de euh, 4 lignes. Et globalement, un mur de 4 lignes, niveau solidité, c'est à peu près correct. C'est pas fou, mais c'est à peu près correct. Donc par exemple, sinon je peux très bien mettre 6. Donc voilà, je valide et automatiquement il me crée. Euh, du coup, il fait le calcul et ça me permet de facilement raisonner en termes d'optimisation euh, d'impression 3D. Donc voilà, moi c'est aussi une de mes petites astuces. Je fais très souvent ça, je me demande souvent euh, quelle épaisseur ça va avoir dans mon imprimante. Ça me permet aussi d'économiser en temps et vraiment énormément en temps. Alors le problème, une excellente, excellente question. Euh, Est-ce qu'on peut modifier un fichier STL Oui. Est-ce que je sais modifier un fichier STL Pas du tout. Euh, je ne l'ai jamais fait, très honnêtement les gars, j'ai aucune idée de comment modifier un fichier STL. J'ai essayé 2-3 fois, je me suis arraché les cheveux dessus et euh, ça m'a rendu dingue. Donc euh, là pour le coup, euh, je ne peux que vous recommander les vidéos d'Eliox parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Ou alors il faudrait que je prenne un peu le temps pour, pour me former euh, sur ce truc là. Euh, parce que là sinon je ne sais pas du tout. Hop euh. D'ailleurs, j'entends qu'il y a toujours de la musique. J'espère que la musique vous gêne pas en arrière-plan. Euh, si le cas, je peux la stopper à tout moment. Tac. Euh, mais donc même si quelqu'un sait euh, sur Discord euh, comment modéliser, euh, vous pouvez me rejoindre et euh, sinon me montrer un peu comment vous, vous faites pour modifier un STL. Euh, parce que je l'ai jamais fait. Simplement les peu de fois où j'ai essayé, vraiment, ça m'a dégoûté et au final, j'ai préféré apprendre à modéliser sur Fusion et euh, ça allait bien mieux. Euh, alors, euh, bah, excellente question d'Adrien Henry. Euh, Est-ce qu'un moteur déporté serait pas mieux, avec du coup une courroie ou par exemple avec un, euh, un jeu d'engrenage pour, euh, pour envoyer de la puissance En fait, ici déjà dedans, euh, c'est un moteur de micro-ondes. Donc, un, mo un moteur de micro-ondes en direct, ça entraîne toute la bouffe que vous mettez dans votre micro-ondes. Donc, déjà, ça a quand même un peu de patates. Et il euh, y a un rapport de réduction à l'intérieur, donc ça rajoute du couple. Donc le moteur il est quand même assez euh, coupleux. Il va lentement, mais il peut quand même entraîner euh, des, des charges assez lourdes. Donc, euh, donc pas de panique là-dessus. Normalement le roulement va... Enfin le moteur, pardon, putain, je vais pas y arriver avec le moteur. Euh, va réussir à entraîner sans aucun problème le, euh, tout, tout le plateau. Non, même, même chargé, normalement il entraînera le plateau sans aucun problème. Tac, ok. Alors, donc il faut que je... Euh, GP6, enfin, que je fasse un carénage un peu plus long encore. 55. Donc, vous voyez, ça c'est un peu le défaut aussi de rajouter un moteur euh, sur, le, euh, sur ce que je suis en train de faire. Forcément, ça rajoute un peu euh, de, euh, de volume. Forcément, c'est plus gros, il faut caler un peu tout ça. Ou bon, alors, sinon, c'est vrai que si j'avais fait un moteur euh, autrement, j'aurais plus le déporter, machin. Ouais, c'est vrai. Enfin là c'est déjà pas mal, je trouve que ça reste au compact. Si on veut mesurer l'épaisseur, tout simplement, un petit inspect. Hop. 58 mm d'épaisseur. Ça fait quoi Ça fait ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Vraiment c'est correct. 58 mm d'épaisseur. Pour un plateau tournant, c'est plus que correct. Ah bah très bien, je vois le galérien, ça partage du créadine sur mon chat. Quelle trahison Quelle déception de ta part De toute façon, il pas de soucis, je vois bien que tout le monde. Enfin, de toute façon, les, les gens de Cradine regardent mes vidéos et. Euh, et inversement, donc euh, voilà. Ça ne change rien. Ok. Ok. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais. Euh, salut Valentin, bienvenue. Coucou. Salut Zotik, bienvenue. Bah Merci de faire un petit passage, juste faire un petit salut, ça fait plaisir. Euh, donc tout simplement, ce que je peux faire. C'est que je vais créer un truc pour ici. Ouais, j'ai tenté de faire un truc un peu compliqué. Euh, je vais tenter de faire un truc un peu compliqué. Euh, comment je vais me démerder Ah et putain, je me suis vraiment lancé dans un truc pourri. Euh, non, quoi que pas, tant que ça. Ça va pas être très bien optimisé niveau support. Là je vous le dis, vu comment je suis parti, ça va pas être top. Euh, j'ai pas trop géré. J'ai pas trop géré. C'est pas grave. Euh... Ouais, alors... Euh... Donc, euh, NeoSilphic qui nous dit qu'il a déjà modifié, euh, modifié un maillage en BREP et euh, de la couture pour obtenir des bouddhistes. C'est long, mais ça fonctionne, ok. Et Maïtou qui dit qu'il est en train de modifier une tête d'impression 3D et qu'il a importé ses euh, objets en STL. Très bien. mais qu'il faut modifier quelque chose, ça devient compliqué. Oui. Alors, très honnêtement, euh, pourquoi... Euh, non, j'annule. Pourquoi ça ne me tente pas de modéliser des choses, de modifier des choses avec, euh, avec des STL parce que très honnêtement, c'est euh, la plaie. Hein, voilà, on ne va pas se mentir. C'est vraiment une purge. Euh, c'est pas la solution la plus simple, euh, franchement. Si vous pouvez vous économiser euh, des cheveux blancs, très honnêtement, je pense que c'est une bonne solution. Je vais tenter un truc que j'ai encore euh, jamais fait, en tout cas que j'ai pas fait depuis vraiment un bail. Je vais tenter un euh, fluid geometry. Donc, hop, tac, tac. Euh, donc là, attendez, je vais, je vais me lancer rapidement, histoire de faire ça vite. Tac. Et ensuite, euh, je reviens vers vous. Je me concentre vite fait sur ce que je fais. Hop là, hop. Tac. Euh, là, tu m'as mis une contrainte qui ne me plaît pas du tout, Gageo. Tac. Ah, trop de contraintes qui se sont créées. Donc en fait l'idée là je pense que je vais essayer d'utiliser un loft en fait pour faire, pour faire ma pièce et pour faire l'ossature de ma pièce pour avoir un truc à la fois euh, fin et léger je dirais. Euh, mais je suis pas sûr de réussir mon coup. Hop Donc là, ici, parfait. Tac. Vertical. Et voilà. Et voilà, voilà. Euh, parce que oui, je suis pas sûr que euh, ça supporte. Euh... Ouais. Je suis pas sûr en fait que les lofts supportent les, euh, les esquisses 3D. Je ne sais pas. Je vais voir. 10. Ok. Euh, tac, tac, tac. Je finis ça et ensuite je réponds à la question de le chat rapidement. Euh, pouf, pouf, pouf. En fait, là, ce que je voulais faire, c'est projeter. Hop. Projeter mon esquisse qui est là sur... Euh, sur ma surface pour, euh, pour faire mon extrusion. Faire un truc un peu compliqué. J'ai envie de... Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me compliquer la vie en euh, plein live. Et donc on va voir si ça fonctionne. Ok. Euh, ça ne fonctionne pas du tout. Et j'ai vraiment pas envie de débugger cette fonction parce que je trouve qu'elle fonctionne euh, que quand elle en a envie. Ok, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Euh, pouf pouf, pouf. J'ai vraiment fait un truc de bourreau. Euh, J'ai fait, fait un truc de bourrin. En fait, euh, je vais partir d'un offset ou je pourrais même partir euh, d'un euh, plan. Ouais. Je pars d'un objet, je pars de cet objet et tout simplement je crée ça. Et en fait, le but de euh, ce que je veux faire, c'est tout simplement relier euh, mon roulement à billes au reste de mon modèle. Tac 4. Je le fais en new body pour commencer. Ok. Euh, ok, si je regarde juste euh, pour voir si mon idée fonctionne, très bien. Mon idée fonctionne alors. Les questions euh, de tout le monde est-ce qu'il existe alors euh, Tu as demandé où aller pour modifier les fichiers. Euh, je sais pas du tout. Euh, le gars, je vois pas à qui tu parles du coup. Le galérien, je suis pas sûr, mais moi je suis jamais renseigné sur les fichiers. Style quasiment. Euh, Est-ce qu'il y a une norme entre le dessin sur fusion et son imprimante pour la justesse des pièces euh, Selon la buse, pas facile de réussir ces pièces. Euh, il n'y a pas de norme parce qu'écoutez bien, chaque imprimante 3D est unique. Euh, après, je, très honnêtement, en fait, je connais mon imprimante à peu près et du coup, je sais les dimensions que je dois lui donner pour réussir à rentrer. Je ne les ai plus ici. Alors, je, attendez, je ne sais pas si j'ai laissé un truc traîner. Euh, je les ai plus, je pense que je les, ai, je les ai jetés. En fait, un jour, tout simplement, regardez, si vous voulez connaître un peu votre imprimante 3D, ce que j'ai fait, il y a un jour je me suis dit, ok, je veux savoir comment mon imprimante. Euh, je dois lui mettre des tolérances en fait pour savoir euh, ce qui rentre, ce qui rentre pas. Ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allé sur Fusion, j'ai créé un cylindre. Hop. Un petit truc, hein, un truc qui doit s'imprimer rapidement euh, pour faire la blinde de test. Ensuite. À ce cylindre bah j'ai fait un petit trou dedans ok donc vraiment on part sur des trucs euh, carrément basiques et là par contre la cote est importante ici je vais mettre 20 pour commencer ensuite je vais vous dérouler mon explication ok je descends peu importe la profondeur okay. et j'ai fait une deuxième pièce et cette deuxième pièce tout simplement hop euh, est ce que je peux l'extruder direct de là non donc je dois créer une esquisse et en gros, cette deuxième pièce, en fait, il y a une idée de euh, pièce mâle, pièce femelle. Tac, je project. Ok. Euh, J'arrive, je, je fais ça vite fait. Hop, je le fais en new body. Donc pour avoir deux pièces différentes. La dernière fois j'avais fait un truc un peu plus propre. Mais là vraiment je fais ça vite. Ok, ok. Et celle-ci, ce que j'ai fait. Tac. Ok, là je vais mettre 20 pour commencer solide, hop, j'extrude. Et voilà. Voilà, voilà. Maintenant je vais pouvoir montrer euh, comment j'avais réussi à trouver un peu comment fonctionnait mon imprimante 3D et comment elle supportait les tolérances. Parce que c'est assez chiant à trouver au début. J'ai fait ces deux pièces, tout simplement, et j'ai fait euh, trois fois ces pièces-là. A chaque fois, je modifiais juste le diamètre ici. Donc le diamètre de la partie qui va rentrer à l'intérieur. Vous pouvez aussi faire l'inverse, euh, peu importe. Et par exemple, je mettais 19.8. Je reconstruisais. Donc là, vous voyez que ça me met un petit jeu. Ensuite, j'en faisais un deuxième. Je mettais pareil 19... Euh, je ne sais plus combien j'ai mis. Euh, je crois que j'avais mis peut-être 19.6. Pareil. Et j'avais fait à chaque fois un truc plus petit, de plus en plus petit. Et euh, je regardais... Comment s'emboîter mes pièces et en fait à partir de là j'ai déterminé que mon imprimante 3d pour qu'elle puisse en fait supporter euh, pour que je puisse assembler en fait deux pièces entre elles assez simplement bah j'ai remarqué qu'en fait il fallait que je mette à peu près 0,4 mm de moins sur la partie qu'elle est rentrée dedans tout simplement et c'est en fait en faisant ces tout petits tests ça prenait je crois devait y avoir 30 minutes d'impression grand max euh, c'est à partir de ces tests là que du coup je savais comment euh, ajuster mes pièces pour mon imprimante voilà, et euh, petite astuce aussi quand vous imprimez, euh, pensez à faire ici des chanfreins, des trucs comme ça pour biseauter. Parce qu'en fait, quand vous, votre imprimante fait un contour, ça va forcément baver. Et donc, euh, l'avantage de faire ici des petits euh, chanfreins, c'est que ça va rentrer plus facilement et vous n'aurez pas besoin forcément de, euh, euh, de le faire à la main. Voilà, tout simplement. Euh, alors après il y a les parois fines donc euh, selon le galérien mais moi je ne connais pas les parois fines mais c'est euh, voilà c'est comme ça que j'ai fait si jamais vous voulez apprendre voir ou, enfin de par vous-même comment votre imprimante 3D gère les tolérances vous faites comme ça vous faites cette petite pièce de test votre c'est un petit bunchy tout simplement et euh, vous les imprimez à chaque fois avec un diamètre de plus en plus petit pour voir comment les pièces s'emboîtent les unes euh, dans les autres parce qu'en fait le problème c'est que entre les courroies qui sont différentes, entre les extrudeurs qui sont différents, euh, les blocs de chauffe, les fils, les températures, tout va changer, en fait, tous les paramètres des, des imprimantes changent et sont quasiment uniques pour chaque imprimante. Donc vous êtes obligé de faire des tests euh, de votre côté. Par contre, normalement, quand vous les faites une fois, vous n'avez plus besoin de les refaire tout le temps. C'est pour ça. Euh, à savoir aussi que souvent, enfin tout le temps même dans l'industrie, si vous faites un trou dans une pièce, c'est pas juste faire un trou en fait. Hein. Euh, vous êtes obligé de repasser dessus, vérifier le diamètre et tout. Vous croyez, enfin, souvent la plupart des gens croient qu'en imprimant 3D, vous pouvez faire euh, une pièce terminée de A à Z en une impression. Alors qu'en fait, dans l'industrie, eux, ils passent leur temps à refaire, refaire, refaire les pièces en fait. Vous faites le fraisage, ça vous permet de faire le trou. Vous faites un perçage pour réajuster le trou. Et ensuite, vous faites un alésage. Donc rien que pour euh, une pièce en alu, par exemple, il y a trois étapes hein, pour faire un trou. Et euh, du coup, la en fait, ça permet d'avoir, du coup, un diamètre vraiment très précis. Enfin, voilà, je me suis mis à parler très vite, euh, mais en tout cas, c'est euh, à peu près le, tout ce qu'il y a à dire. Ok, ensuite, euh, je vais me positionner, ok, très bien, je suis là. Je vais faire une deuxième esquisse. Là, je tombe vraiment une expérience. Hein. Hop. Euh, Est-ce que c'est possible que ça change avec différents PLA euh, Je dirais que potentiellement, oui. Oui, parce que euh, bah, vous voyez bien que selon la qualité, certains PLA vont pas forcément euh, réagir de la même manière. Et donc euh, c'est possible effectivement que selon la température, selon le PLA, selon plein de paramètres, les ajustements changent un peu. Après, je pense que ce sont avant tout des jeux euh, liés à l'extrudeur et tout ça. Donc c'est pas forcément. Euh, ce n'est pas forcément lié. Au filament je pense. Après, je ne veux pas être catégorique là-dessus euh, parce que je n'ai pas assez de recul là-dessus sur, euh, sur mon expérience perso pour être catégorique, tout simplement. Ok, tac euh, vertical. Ok, ici je vais mettre un truc pas trop large, je vais mettre un truc de, de 20. Euh, Pouf, parfait. Euh, body, non, non c'est les composants qui me gênent. Et donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit euh, un petit Start from Object, encore un truc assez, assez standard. Hop là, regardez, toc, tout simplement. Euh, je vais faire moins 10. Ok. Et là, euh, je vais essayer de connecter, en fait, ces deux parties-là ensemble avec un loft. Donc, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Euh, si ça ne fonctionne pas, il faut que je trouve une autre méthode. Ok. Et voilà. Oh, c'est pas très beau, dis donc. Euh, c'est pas très beau du tout comment je peux modifier ça. Euh, je sais comment modifier ça. Très bien. Ok. Donc en fait voilà, tout simplement, l'idée c'était de trouver un moyen de, euh, de connecter les deux parties entre elles. Euh, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire comme ça avec un petit loft Ça fonctionne. C'est un peu épais à mon goût, donc je vais réduire déjà ici le, la largeur. Euh, tac. Ici je vais mettre moins large. Y a Pas besoin de faire un truc très très épais d'ailleurs. Je suis en train de me dire euh, ça sert à rien. Tac hop, finish sketch. Donc voilà, tout simplement, c'est un, un support tout bête. Et là, il y a ça qui est vraiment pas beau du tout. C'est dégueulasse. Euh, donc, est-ce que je le virerai pas Ah, quoique euh, si mécaniquement, ça me paraît pas trop déconnant. Euh, si je vais le laisser, c'est quoi Je vais le laisser. Je vais le laisser et euh, parce que ça me paraît pas, pas si mauvais que ça. Éventuellement, je le changerai. Si vraiment ça me plaît pas, dites-moi dans le chat là, parce que je vois, vous êtes 29, vous êtes tout calme. N'hésitez pas à me dire si euh, vous trouvez ça moche. Euh, sachez que Samira, broie ton au cœur. Coméga, je sais que tu as déjà pris euh, ton clavier pour lâcher une pique. Je te connais. Tac. Donc là, en fait, j'ajoute des petits congés parce que les congés, c'est important. Ah, j'ai pas beaucoup de place pour faire un congé. Je pense qu'il va pas vouloir le prendre. Euh, S'il y a un tout petit congé qui peut se faire. Très bien. 15. Ok. Je valide. En fait, les congés aussi, ce qui est très intéressant avec les congés, c'est que euh, ça vous évite d'avoir des angles vifs. Et en fait, sachez que les angles vifs euh, en mécanique, ce sont des. Euh, ça va accumuler les contraintes. Et en fait, quand vous créez un angle vif sur un de vos modèles 3D, il y a de très fortes chances. Que votre modèle casse, tout simplement parce que le, en fait les, les jeux mécaniques vont faire que, enfin les jeux mécaniques, les, jeux, les contraintes tout simplement vont faire que sur un angle vif, ça va péter très facilement. Je parle d'expérience. Euh, j'ai déjà pété pas mal de pièces avec à cause de ça. Euh, tac, euh, sur arbre, j'ai ça arbre. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive Coméga euh, T'es calme C'est rare, c'est très très rare. Sache que ton silence m'inquiète. Tu me manques. Je pense à toi. Ne t'inquiète pas. Euh, un point de fixation fragile. Bah ça me paraît costaud là quand même. Je pense que va y avoir de la matière. Il hein, n'y a pas de risque euh, que ça pète. Et du coup là en fait tout simplement ce bras là. Bah je vais le répéter. Petite répétition circulaire. Hop je fais 6. 6 c'était un peu beaucoup. Et voilà je fais ça. 6. Bah, ouais, mais j'hésite toujours, tu sais, qu'Omega t'envoie un petit message là sur, sur Messenger. Je me dis, ouais, est-ce qu'il pense à moi, machin Est-ce que je reste toujours son youtubeur préféré euh, Tac, donc voilà. C'est un peu gros, je trouve que j'ai fait un truc un peu épais, très honnêtement. Je vais peut-être l'affiner un peu par la suite. Mais euh, là, ça devrait pas bouger avec ce que je viens de faire. Euh, ça pourrait se prendre vraiment une bombe atomique dans la tronche. Ça ne bougera pas. Donc là, vous voyez un peu l'idée que j'ai, c'est. Euh, cette partie-là va s'imprimer comme ça sur le plateau. Vous voyez, je, le, je la mets à plat et euh, ça monte. Et normalement, il n'y a pas trop besoin de support. Quoique, quoi il y aura peut-être besoin de support. Il va peut-être falloir que je réfléchisse un peu différemment. Éventuellement. Mais ça, c'est important aussi. Il faut essayer de se projeter dès le début avec les supports. Euh, sinon, vraiment, on se retrouve très vite dans la galère. Mais là, je pense que oui, j'ai peut-être un peu mal modélisé. Euh, ça risque de générer un peu de support. Donc ça, vous voyez, ce genre de truc, vous le mettez en tête, vous le gardez pour plus tard, et comme ça, vous savez que quand vous avez un peu terminé tout votre modèle, bah, vous revenez dessus et euh, vous modifiez. Ok. C'est vrai, tous les jours tu vas m'envoyer des messages. Bah écoute, euh, bah c'est un peu, t'es un peu ma deuxième copine quoi. J'ai envie de te dire. Nous vivons une relation purement platonique, je te rappelle. Tac. Donc si on fait apparaître le plateau. Voilà. Tout simplement, ça ne se voit pas. Hop. Euh, tac. Plateau. Ça, je vais l'appeler coq. Et voilà, on a un beau petit plateau tournant. Déjà. Et déjà, là, de base, euh, il fonctionne. Normalement, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Euh, D'ailleurs, je pourrais même l'animer maintenant, mais ça n'aurait pas grand intérêt. Maintenant, le véritable jeu. Ah, merde. ça me rend compte que je vais pas pouvoir faire ça. Euh, non, ça n'a pas du tout, en fait, ce que je viens de faire. Le, en ce cas, le véritable jeu maintenant, ça va être de réussir à faire en sorte que déjà je rajoute le jeu d'engrenage, comme euh, ce que j'avais dit tout à l'heure, et, euh, et de deux, de rajouter le moteur. Bon, euh, le moteur, je ne l'ai pas encore ajouté, et je viens de me rendre compte que si je veux passer euh, tout simplement le, euh, le jeu d'engrenage, on va ajouter le jeu d'engrenage maintenant. Euh, ce, pourquoi Tout simplement parce que euh, j'ai un peu l'inspi pour le faire, tout simplement. Et euh, je n'ai pas trop l'inspire pour le moment pour mettre le moteur. Ok. Donc le jeu d'engrenage. L'idée que j'avais, c'était de commencer tout simplement. Alors là ça va être un peu comment rajouter un engrenage. Alors je vous préviens l'engrenage, je ne vais pas le faire dans les règles de l'art, euh, parce que je ne les euh, maîtrise pas. Tac. Capture position. Ok. Donc je commence. Mon idée, c'était je fais un petit trou ici même un peu plus bas et euh, je cache tous mes body euh, qui me gênent tac tac voilà ok euh, j'ai faire alors j'avais dit un petit trou donc il faut que je le cote assez fin euh, je vais mettre 5 mm pour commencer euh, je fais réapparaître juste ma coque et l'idée c'est d'avoir déjà ici un trou hop, qui va me permettre de faire passer un axe avec une manivelle donc la manivelle euh, je peux la faire tout de suite donc regardez pour faire la manivelle au lieu d'utiliser euh, attendez au lieu d'utiliser les plans qui sont ici ce que je vais faire en fait c'est que je vais créer un plan tangent ici et regardez paf j'ai un plan là et comme ça ma manivelle je peux la créer directement ici c'est beaucoup plus pratique Ok, pour faire ma manivelle, eh il faut que le euh, centre de la manivelle ça soit euh, le centre d'axe. Ok, donc tout simplement hop, un petit project. Ici, ok. Je cache mon body pour que vous voyez bien le project, donc il s'est fait ici. Et comme ça, je peux directement créer ma manivelle. Ok. Et je peux créer une contrainte concentrique. Ah, il ne veut pas le prendre. Alors est-ce que j'ai un coax Non. Pourquoi il veut pas me le prendre euh... Ah, il veut pas prendre le concentrique, tiens. Tiens, tiens, euh, Pourquoi il veut pas bon, merde, Ça m'emmerde euh, ça. Pourquoi tu veux pas euh, Le point non plus, il ne veut pas... Merde Bah la Qu'est-ce que tu me fais là D'habitude ça marche très bien. Euh, pourquoi là ça ne marche pas En fait tout simplement ce que je veux c'est créer, euh, récupérer la contrainte, enfin euh, récupérer la position de mon trou d'axe pour contraindre ma manivelle et comme ça que, euh, que j'aille, ma manivelle, elle, euh, elle suit. Là. Attendez. Euh, pourquoi il veut pas Si je prends ça, ça. Ah c'est marrant, il veut pas. Tiens, c'est la première fois que je vois ça. Ok, c'est pas grave, on s'adapte. Tac. Euh, on s'adapte. Merde alors. Ah, ça m'embête. Ça m'embête si je fais ça et euh... ça m'embête de fou. Alors là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à récupérer la, le centre de. Euh... Euh, j'arrive pas du tout à récupérer le centre. C'est marrant ça. attends bah, je vais faire un truc bourrin, mais enfin euh... je m'interroge. Euh... Que je me fasse une grosse remise en question. Tac, tac. Oh, temps pour moi. Euh, donc voilà, en fait, j'essaie de récupérer le, le centre ici euh, de ce cercle pour contraindre ma manivelle. Et comme ça, que ma manivelle, euh, bah, si par exemple, je modifie la position de mon cercle, je modifie la taille, la manivelle, suive avec. Donc ça, c'est vraiment une des notions très importantes en méditation 3D. Euh, c'est de créer des choses de telle manière à ce qu'elle, euh, quand vous éditez quelque chose, en fait, que tout se change avec. C'est pour gagner du temps. OK. Donc parce que regardez. Tac, ici, hop, hop, ah mais je sais peut-être pourquoi parce que j'étais pas sur un, pas sur un, euh, sur un plan, C'était peut-être pour ça, j'étais peut-être, j'étais pas sur un plan donc c'est peut-être pour ça, tac, donc regardez, là j'ai ma manivelle, ok, et du coup l'avantage normalement de ce que je viens de faire, c'est que si euh, par un besoin quelconque, là le trou qui est ici, je le descends, normalement quand je reconstruis, euh, ma manivelle a suivi avec, pas du tout, elle a pas suivi, j'ai fait n'importe quoi. Oh, t'as pas suivi alors là c'est con quand même un truc qui est censé fonctionner sans aucun problème euh, ça ne fonctionne pas à ah, c'était une erreur ok pourtant ça avait bien ça avait bien pris les contraintes comme il fallait bon, je sais pas je sais pas je sais pas première fois que ça me le fait très honnêtement euh, voilà Ok, euh, je fais un petit euh, chamfer ici et comme ça vous allez me dire, ah oui ok, je vois ce que tu es en train de nous dire depuis euh, 5 minutes, je comprends euh, ce qu'on va faire. Ok, tac. Tac. Euh, très bien, au moins on a perdu personne en chemin. Et donc voilà, l'idée en gros, c'est d'avoir mon plateau comme ceci et une petite manivelle. Et si je veux faire tourner mon plateau, bah je le tourne à la petite manivelle. Euh... Alors attendez. Euh... Donc le chat qui dit la loi de Murphy, bon ouais, ça c'est bien entendu. Euh... C'est vrai que le d'habitude ça marche très bien. C'est une phrase que j'utilise souvent. Parce que c'est vrai que souvent ça fonctionne. Sauf quand je suis en live, bien entendu. Et du coup, question du galérien, pourquoi j'utilise une manivelle alors que j'ai un moteur en fait tout simplement c'est que... Euh, alors je ne sais plus qui, je crois que c'était Yobi. Euh, Yobi avait demandé à ce qu'on puisse faire de la photogrammétrie avec. Donc en gros qu'on puisse prendre des photos, euh, en fait, de, qu'on puisse faire un scanner 3D grâce à ça. Donc tout simplement vous mettez votre pièce dessus, vous mettez votre téléphone dans votre scanner, vous tournez et euh, tac. Et le problème de, du moteur c'est que tu ne contrôles pas la vitesse. Sur ce modèle de moteur. Enfin là tel quel, euh, tu ne peux pas contrôler la vitesse. Et du coup ce que je me suis dit c'est que je vais faire et, euh, et le moteur et la manivelle. Comme ça, euh, si tu veux euh, bah, aller plus lentement, tu peux passer en manuel, tout simplement. Après oui, je suis d'accord que c'était pas forcément plus un truc euh, tip top. Quoi. Euh, je vais vraiment faire un truc dégueulasse. Attention, ça va mal partir. Heureusement que Bruno n'est pas là, parce que sinon il aurait pété un câble sur le fait que j'ai dit euh, qu'on va faire un truc pro, et que là par contre je pars vraiment en un truc euh, pro-mébourrin. Une marque en 360 degrés là je ne t'ai pas suivi le chat euh, je ne l'ai pas là je vois pas ce que tu veux dire tac <coughs> ok donc là je vais mettre un petit euh, 20 ok 20 pour commencer tac ok euh, putain je sens que vraiment cette esquisse ça va me plomber euh, la vie tout le temps pourquoi t'as pas suivi espèce de google euh, alors effectivement pourquoi pas une Arduino bonne question euh, oh, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça me fait éventuellement en fait ça pourrait fonctionner avec une Arduino sauf que là c'est un euh, ça c'est un moteur synchrone donc ça ne pourrait pas euh... ah oui on peut, on peut mettre une graduation euh, si on en a envie oui pourquoi pas mettre euh, tu as fait 360 degrés ou pas oui euh, tout à fait mais euh, mais en fait l'arduino ne peut pas piloter nativement ou alors il faut un euh, shield adapté euh, ne peut pas piloter ce genre de moteur c'est pas un moteur pas, pas c'est plus compliqué que ça euh, je sais pas si un moteur pas à pas peut réussir à entraîner un euh, plateau tournant euh, tout seul très honnêtement j'en je ai aucune idée donc ça forcément je l'ai coté avec le cul donc euh, ça fait n'importe quoi Tac, tac, tac. <laughs> Hop. 12, non, 12, 12, 12, 12, tac. Ok. Euh, 4, ok, très bien. Et voilà, ça y est, on est de retour. De retour pour des trucs quali. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, donc là, je vais l'appeler Manivelle. Ok. Je cache tout. Euh, les relais. Alors qu'est-ce que tu appelles les relais Parce que si tu me parles d'un relais contact sec, euh, ça ne pourra pas piloter un euh, moteur synchrone. Il va te falloir... Hein, là il va falloir euh, deux MOSFET et, euh, et du coup euh, faire du régime synchrone, je pense. Euh, après honnêtement, c'est les cours que j'ai en ce moment même sur la conversion de puissance à l'école. Donc je me sens plutôt d'attaque. Euh, sur le sujet. Okay. Ah oui, bon là j'ai bien fait de la merde aussi. J'ai vraiment fait une Awak. Donc là c'est du euh... Ah ouais il me sort la mauvaise cote. Euh... Ok donc là j'avais fait 5 mm de diamètre donc finish sketch. Ici je vais remettre edit. Tac. Je vais remettre 5. Ok. Et je vais extruder ça. Après peut-être qu'éventuellement je reprendrai le modèle tranquillement hors live. Parce que forcément c'est toujours un peu plus simple euh, de le faire hors live que de le faire euh, tout en discutant avec vous. Tac. 12. Euh, ok. Et maintenant, je vais me faire un euh, petit Arduino. Euh, putain Arduino, je, je lis un mot et euh, je le dis. Euh, je vais me faire en fait un petit engrenage ici qui va me permettre du coup de, euh, de contrôler, euh, fait de faire bouger le plateau. Tac, euh, ok, de coque, plateau. Donc coque à la plonge. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser un engrenage avec euh, bah, beaucoup de fun. Okay. Et pour ça, pour modéliser l'engrenage, il me faut le plateau. Voilà. Ok. Le plateau est là. Très bien. Et on va dire que ça, c'est le diamètre euh, primitif. Ok. Ensuite, du coup, je crée un deuxième cercle. Là. Euh, donc, en fait, oui. Alors, moi, ma grande question, je ne sais pas si vous avez déjà fait des plateaux tournants, mais est-ce que. Euh, grosse question. Est-ce qu'un plateau tournant. Tourner avec un moteur papa d'imprimante 3D, euh, de pas d'imprimante 3D, mais d'Arduino. Euh, je, je ne sais pas du tout, donc si quelqu'un sait euh, qu'il se dénonce, voilà, je veux son nom sur mon bureau euh, maintenant, tout simplement. Ok, donc ça c'est bien. Euh, toc, donc je vais cacher ça en attendant. Là l'idée c'est comment je fais un engrenage euh, sur Fusion 360. Et eh bien écoutez, tout simplement, on part là-dessus. Euh, je crée deux cercles. Premièrement, pour faire un petit engrenage. Euh, pas la peine de trop se prendre la tête. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit axe de référence. Ok, comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma première dent. Ok, je vais. C'est tout, pas plus. Je fais une spleen avec, euh, qui va me faire en fait, qui va me servir de dent. Ok, et comme ça, bah regardez, ma spleen, je peux déjà la positionner, jouer un peu avec. Là, je pense... Tac. Euh, ok, donc, Ce que je veux, c'est à peu près un truc comme ça. Là, je vais le faire au feeling. Je vous le dis, je vais le faire au feeling 8. Mais il faudrait quand même que j'arrive à faire quelque chose d'assez précis. Euh, donc, tac, comme ça une dent. Je cote. Je vais mettre 1.2. Ça valide et là je vais mettre euh, 0.6 et voilà. Et en gros, là je me suis fait une dent de euh, d'engrenage assez simplement. Ok, maintenant, euh, maintenant je vais faire un petit miroir tac. Ok, et voilà. Et là j'ai ma dent. J'ai ma dent et je peux, euh, je peux directement extruder euh, mon modèle. Je peux aussi faire du coup une répétition circulaire de pattern. Donc par exemple, ça. Circular pattern. Je sélectionne le centre de mon cercle et je vais faire plein dedans. Euh, je vais en faire 25. Non, 25 c'est trop. Je vais en faire 20. 20 ça me paraît pas mal. Euh, 20, 20, 20, 20, 20. Alors 20. 20 c'est trop. Là j'ai le faire au feeling pour le moment mais je serai obligé de faire des tests de mon côté parce que sinon ça va être un peu chaud. 20. Attendez, comment je peux faire des tests proprement Est-ce que je peux faire des tests proprement Oui, 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 je peux faire des tests. Des tests pas trop dégueulasse, cancel. On va faire un truc propre, on va faire un truc bien. Mais donc voilà. Euh, comme dit le galérien euh, Non, comme dit le chat, le problème surtout, du coup, ça va être la charge. Donc est-ce que la charge euh, va tenir avec un simple moteur papa qui sont vendus dans le kit Arduino euh, je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr ok plat petit miroir par contre après si vous faites ça avec un euh, euh, tout si vous faites ça, mince, je me suis planté ici. Si vous faites ça avec un moteur d'imprimante 3D pas à pas, donc ça fonctionne tout autant. Bah là, normalement, ça devrait dépoter sans aucun problème parce que vous voyez bien que si un moteur pas à pas arrive à faire tourner euh, bah, nos imprimantes, eh bien il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à faire ça pour euh, autre chose. Euh, pourquoi ça marche pas comme je le veux Si ça avait marché, attendez, je, euh, je suis en pleine réflexion métaphysique et euh, tac. Ok, ici, ah, si c'est ça, ça, ça c'est bien ce que j'avais fait. Tac, non, annulé. Donc là, c'est comment faire un engrenage qui fonctionne. Euh, normalement, les engrenages qui fonctionnent ont des euh, des normes et euh, plein de conneries du genre pour réussir à faire des engrenages euh, qui fonctionnent vraiment à la perfection. Là, honnêtement. Euh, J'avais pas la foi de connaître toutes les, tous les calculs, tout ça, tout ça. Donc je fais un truc un peu à la barbare. Oui de NEMA 17, très exactement. Vous voulez faire un truc avec un moteur pas à pas, vous prenez un NEMA 17, ça coûte rien sur AliExpress, ça fonctionnera nickel. Donc effectivement, c'est carrément une possibilité, j'aurais pu le faire avec un NEMA 17. Euh... Ok, très bien. Donc là, en fait, il faut s'imaginer que ce que je viens de créer ici, là, cette fausse dent, donc ça, c'est ma dent, vraiment, on voit bien le profil, les deux euh, lignes de construction que j'ai créées vont me servir, en fait, à visualiser le deuxième engrenage qui viendra en contact. Ok, et donc, tout simplement, c'est pour être sûr que ça se monte. Parce que normalement, donc comme euh, ce que j'ai dit juste avant, il y a des calculs pour faire ça. Mais j'essaie que c'est le truc. Hop. Euh, mais, 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 mais. Euh, je ne les connais pas par sûrement. Tout simplement. Et euh, ça serait peut-être un peu lourd à faire en vidéo. Euh, de vous faire les calculs pour ça. Ok, donc en fait, l'idée que j'ai, c'est de faire la dent euh, de l'engrenage. Admettons. En fait, de faire... Je fais les dents des deux engrenages. Et ça va me servir à visualiser si euh, ça se monte à peu près bien. Donc regardez, là je vais mettre 12. Je vais faire, en fait je vais essayer que les deux se touchent. Je ferai vraiment un truc de bourrin. Euh, tac. Voilà. Donc là c'est à peu près bien. Je vais mettre 13.5. Euh, hop. Ok. Très bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire une répétition de celle-là jusqu'à ce que euh, ça, euh, ça se touche en fait des deux côtés. C'est à peu près l'idée que j'ai. Euh, pouf, pouf, pouf. Donc là, pareil, circulaire pattern, je vous ai un peu délaissé, je suis désolé, mais du coup là, euh, j'ai dû un peu réfléchir pour faire ce truc-là. Et euh, très honnêtement, euh, je n'ai plus l'habitude de réfléchir. Tac. Et du coup, bah si on veut que les deux euh, se touchent bien, il faut faire à peu près quelque chose comme ça. Il faut mettre 13 dents, et normalement, euh, ça devrait assez bien se superposer, en théorie. Ok. Euh, je valide. Alors là, il y a un peu beaucoup de jeu quand même à cet endroit-là. Donc ce que j'aimerais éventuellement, c'est peut-être de réduire un peu la taille ici. Euh, donc là, c'est trop. Pourquoi ça m'a fait un truc dégueulasse ici euh, C'est pour ça que je n'aime pas euh, les... Euh, comment ça s'appelle les répétitions linéaires euh, des skis? C'est parce que ça fait toujours, toujours, toujours un peu euh, n'importe quoi. Tac, tac, tac. Euh, donc, éventuellement, si je fais un petit truc comme ça, ok. Euh, alors, 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 excellente question. Oui, c'est vrai. En plus, alors, euh, bien vu de la part euh, de Tom Pont. Euh, pourquoi je n'utilise pas directement les, euh, les fonctionnalités de fusion Bon, en fait, oui, c'est vrai, je suis en train. En fait, j'ai téléchargé des plugins avant de faire le live euh, parce que je savais que j'aurais besoin euh, d'engrenage et j'ai juste complètement zappé. Le seul truc, en fait, c'est que je vais devoir faire le rack moi-même. Donc, ça, c'est un peu plus euh, emmerdant. Mais j'avais une idée pour faire le rack. Oui, c'est bon, ça y est. Non, bah, bien vu euh, bien vu de la part de Thomas Pont. Euh, pourquoi je ne fais pas euh, avec les plugins Parce que, tout simplement, j'ai décidé de m'emmerder. Et euh, donc, pas besoin de faire ceci. Désolé, je vous ai vendu euh, du rêve pour rien. Je vais tout simplement créer un engrenage avec Helico, euh, ah, Helico Gear euh, Plus, qui est un add-on sur, euh, sur le Fusion App Store que vous pouvez trouver ici. Vous allez dans Tools. Euh, Add-ins et vous avez Fusion 60 App Store. J'arrive plus à parler, c'est terminé. Et regardez, vous allez sur cette page et vous avez euh, tout plein de plugins qui peuvent être très intéressants. Et donc, par exemple, vous avez celui-ci euh, qui vous permet de générer des euh, engrenages hélicoïdaux. Donc euh, après, ça dépend un peu de votre besoin. Normalement, vous pouvez trouver largement euh, votre bonheur là-dessus, euh, selon ce que vous voulez faire, du coup, vous ne voulez pas faire des trucs trop euh, ambitieux. Ok, alors Gear oui ok. Euh, preview. Oui je veux une preview euh, de l'engrenage. Euh, oui c'est carrément... Non mais oui, c'est carrément plus pro euh, d'utiliser. Euh... Oui. Quel enfant ce chat. Ouais, c'est plus pro, bah oui, bien entendu, bien entendu. Euh, là par contre c'est un engrenage hélicoïdal, alors qu'en fait je veux pas du tout euh, d'engrenage hélicoïdal. Euh, tac. Center. Très bien. Euh, le seul avantage de ce plugin c'est que très honnêtement il est extrêmement bien euh, foutu. Regardez, vous voyez, je peux très simplement créer un engrenage euh, par rapport à un plan. Euh, sans me prendre la tête. Ok, et euh, l'avantage des engrenages hélicoïdaux, c'est que en fait ils sont euh, ils ont un très bon rendement, ils sont très silencieux. 15. Ça fait quoi si je fais 15 Très bien. Euh, ils sont très silencieux. Euh, ils ont un très bon rendement. Par contre, ils sont un peu plus galères à monter, bien entendu. Euh, module. Si je mets un grand module, qu'est-ce que ça fait déjà Grand module, grande roue. Bah, roue même immense. Euh, roue immense. Il faut que je me positionne par rapport à mon plateau pour faire un truc euh, potable. Très bien. Roue vraiment immense. Cinq. Très bien. Trois. Euh, donc là le jeu, bah, tout simplement vu que la pièce est déjà faite hein, Je vais juste essayer de trouver un truc euh, qui soit pas trop mal Ah mais si, si je mets Helix Angle, si je le mets à zéro Je vais avoir un engrenage à denture droite Parfait euh, Parfait, parfait, parfait Ok, donc je vais devoir réduire le module euh, tuc, 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 Pour avoir un truc qui soit un peu plus compact euh, Spur Gear, je connais pas du tout euh, Spur Gear alors, Spurgear. Est-ce que Spurgear est sur le Fusion App Store Alors, il n'y est plus. Euh, je crois qu'il y a pas mal de d'addons qui ont planté. Ah, de base dans Fusion. Euh, possible, possible. Très honnêtement, c'est pas impossible. Spurgear. Euh, alors, est-ce que tu te rappelles où il est caché Alors, comme ça, il y a un addon euh, préfet. Euh, dans les scripts, donc dans les tools, euh, dans les tools, je n'ai pas, euh, je crois pas que je l'ai. Outils, ouais, tools. Euh, alors, est-ce qu'on a un petit purgear qui se cache quelque part euh, Je crois que non. Hein. Outils, outils, nest, nest preparation. Pour moi, ça serait dans les add-ins, scripts et add Spurgear. Attention, on part en découverte. Hein. Ah oui, Spurgear ici, donc Spurgear là. Euh, oui, Spurgir. Spurgear, Spurgear. Ah, mais avant, oui, avant, c'était un add-on Spurgear. Parce qu'avant, je me rappelle de cette image. Oui, très bien. Euh, ok, et là, il me crée... Ah ouais, 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 ouais. Très bien. Euh, ok, ok. Euh, Qu'est-ce que t'as fait comme égale Pourquoi je vois... Euh, je vois, je vois, comme égate, euh, je vois que tu n'as pas envoyé de message, mais je vois qu'il y a tout le monde qui apparaît dans le chat. Je sais pas ce que tu as fait. Bah, bon, là, je j'ai resté là-dessus parce que, bon, euh, donne fonctionne, mais euh, tac, edit. Est-ce que je peux éditer Ah, par contre, c'est dommage, je ne peux pas facilement éditer euh, le modèle. C'est dommage. Donc, ok. Mais en tout cas, très bien. Donc, il y a des add-ons qui sont intégrés directement. Je ne me rappelais plus du tout euh, qu'il y avait ça. Hop. Bon là, pour le coup, je reprends reprendre Gear parce que euh, je le connais un tout petit peu et que je l'ai déjà utilisé, donc c'est largement plus simple. OK. Euh, settings, euh, synchro moteur, tac. Euh, OK. En fait, le gros avantage aussi, c'est que là, euh, vous voyez, Helical Gear me propose une preview directement de mon engrenage. Et euh, ce que je trouve très pratique... Pour pouvoir dimensionner ok très bien je, je vois je note que méga tu t'endors pendant les lives attention parce que sinon après je vais te faire des interros euh, surprise pour être sûr que tu es que tu as été attentif comme il fallait attention à toi tac euh, ok très bien donc là je suis vraiment on part sur euh, de la modélisation euh, niveau grand cru ok on euh, bah du coup, l'avantage, c'est que là, voilà, c'est bien vu, c'est que j'ai eu facilement un petit engrenage et, qui fonctionne aussi. Ça, c'est très important de le souligner. Ok. Ce que je vais faire, ce que je vais faire ici, mon engrenage, je vais le faire tourner. Regardez. Ok. J'aimerais que le ici, ça soit bien à la verticale, à peu près comme ça. Et je capture la pression. Euh, très très bien. Et maintenant, je vais créer ici. Ok. Pof. Échappe. Je vais créer un euh, une crémaillère, en gros, une grosse crémaillère qui va avoir une denture et qui va venir euh, suivre le roulement. Tac. Tac, 15 ici. Là, je vais mettre un petit... T'oiseau a pris sa volée. Ok, tac. Ah, je veux juste côté. Euh, ici, je vais mettre 210. Tac. Non, 210, c'est trop. Donc, je vais mettre 205. C'est ah, très bien. Ok, donc voilà. Et là, le... Oh, tout de suite, pas sympa avec toi, le prof. Mais tu vois, le, le chat, <laughs> t'aimes engrainer les gens. Euh, dans, dans tes folies heureusement que vous voyez vraiment bruno comme les gars euh, le chat vous faites euh, le trio de tête euh, vous vous arrivez à vous soutenir les uns les autres c'est terrible c'est vraiment terrible euh, là vraiment parle je pars sur un truc un peu ambitieux euh... comment je sais si mon nombre de dents est bon souhaite là ce que j'aimerais faire c'est tout simplement, ça. Regardez, tac. Euh, ok, donc je laisse à peu près ceci. Donc 5.5, très bien. En New Body. Et euh, maintenant... Je crée une sketch. J'aurais dû mettre un module plus gros. J'aurais dû mettre un module plus gros. Je me rends compte maintenant. Euh, la denture ne va pas. Il faut que je mette des dents plus grosses. Euh, des grosses dents. En fait, l'idée, en tout cas, là vous avez le truc global. Cette partie-là, là, cette euh, mince. Hop. Cette bande bleue va être dentée. Et l'idée c'est que du coup, mon engrenage euh, engraîne euh, cette bande. Et du coup, ça va faire tourner mon plateau à la main. Donc voilà, c'est à peu près le concept. Je sais pas s'il y en a qui savent si euh, on peut faire ça automatisé dans Fusion 360. Très honnêtement, j'ai essayé de chercher un peu, je n'ai pas trouvé. Donc si jamais il y en a qui connaissent, euh, n'hésitez pas à me le dire avant que je me lance dans un truc un peu foireux. Euh, je suis pas sûr que le chat harcèle, comme gars Est-ce que tu veux reporter à l'administrateur Discord un niveau de harcèlement Oh, Vas-y, ça y est, je montre les dents. Bien joué, comme les gars. Toujours euh, bien joué, le chat, toujours dans les jeux de mots. Euh, ça y est, je commence à me mélanger les noms de tout le monde. Super. C'est le début de la fin, moi, je vous le dis. Euh, je vous le dis. Ok, bon, personne n'a l'air d'avoir de solution pour faire un rack euh, automatisé dans Fusion 360. Donc, du coup, bah, je vais partir euh, bah, sur un truc à la mano. Je vais faire un truc euh, moi-même. Là, juste cette, euh, cet engrenage-là me plaît pas parce que tout simplement. Je le cache, tac. Les dents ne sont pas assez grosses et ça va plus m'embêter qu'autre chose. J'aimerais bien avoir des grosses dents. Je pense que ça sera plus efficace. Mais en théorie, il doit y avoir une manière de le faire de manière vraiment quali. Parce que je ne la connais pas. Je ne la connais pas. C'est ballot. Ok, donc du coup, j'ai recréé un petit engrenage ici. Donc il part de ce plan-là et il part de ce centre-là. Très bien, je fais une preview. Et ce que j'aimerais, c'est avoir vraiment des grosses dents. Donc, euh, si je veux avoir des grosses dents, comment je fais pour avoir des grosses dents euh, Est-ce que je fais. Alors, je me rappelle pas si je dois toucher au module ou pas. Parce que là, tout ce que je fais, c'est rajouter des dents. Donc, normalement, ça ne devrait pas changer la taille des dents. Bah, si, vous bout d'un les dents ne peuvent pas être plus grosses qu'elles ne le sont déjà. Euh, merde, je ne me rappelle plus du tout. Parce que là, si je mets 10... J'ai un diamètre standard. Euh... Ah non, moi, je te harcèle. Très bien. Bah, très bien, super. Alors ça... à qui j'ai brisé le cœur quand j'ai retiré euh, les messages privés sur, euh, sur Discord À qui À qui Ça, toi, gars. Bon, là, j'ai fait planter Fusion parce que je suis pas très malin. Mais euh, pas de panique, on va, on va redresser la barre. On va redresser la barre. J'ai la grande voile. Euh, ok, donc là j'ai fait planter Fusion. Euh, c'est normal parce que regardez ici à cet endroit là j'ai mis 2010 dents. Euh, et du coup la logiciel il est en train de paniquer en se disant je dois mettre 2000 dents sur un truc qui fait ça. Donc euh, ce n'est pas possible. Donc oui, effectivement, le chat, c'est la fin. Euh, Fusion va planter. Euh, Salutons tous, Fusion. Bonne soirée. Salut mon pote. Euh, tac. Je voulais regarder un truc, donc là je suis très bien... Euh, très bien. Euh, Spurgear, très bien. Ah parfait, voilà, puisque je cherchais. Bon bah voilà, je pense que Fusion a planté. Bah de toute façon c'était certain. Euh, vu comment j'étais en train de modéliser, j'allais tôt ou tard finir par faire planter Fusion. Bon bah écoutez, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un drame. De toute façon, juste ce qu'il faut faire, c'est cliquer plein de fois. Jusqu'à ce que le logiciel plante tellement euh, qu'il vous jette. Euh, hop voilà parfait. Fermez le programme. Fermez. Allez, 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 allez. Motivé, motivé. Très bien. Et là, vous voyez mon joli fond d'écran. Et très bien, je relance Fusion. Euh, pouf, 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 très bien. Et d'ailleurs, je vois que quelqu'un, que Didier... 6666 a rejoint Discord. Donc, surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations. Euh, si, jamais, si jamais vous voulez chatter, discuter, poser des questions, n'hésitez pas à venir sur Discord. Voilà, je fais un petit peu euh, ma pub en attendant que euh, Fusion se relance. Et euh, voilà, le Discord s'est animé en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le printemps. Euh, ça parle beaucoup dessus. C'est sympa. Il y a une bonne ambiance. N'hésitez pas à retrouver le lien du Discord dans la description du live. Voilà. 1000 euh, dans une mâchoire de lot, une lot... Ah oui, c'est vrai qu'une lot, putain, ça, masse de dos, une lot en plus. C'est très très moche en plus. Une lot, ça a vraiment une sale gueule. Euh, bon bah c'est vrai que ce n'est... ça fait combien de lives que j'ai fait J'ai dû en faire quand même une dizaine et je crois que je n'ai pas eu une fois où Fusion n'a pas planté, tout simplement. Je sais pas comment je fais. Je sais pas. À chaque fois, à chaque live, Fusion plante. Alors quand je fais des vidéos tout seul, bah, Fusion ne plante pas. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que... Euh, Flop, ici, là, vous voyez, la Flop a posté un petit message. Euh... Je suis abonné depuis peu et je suis vraiment pas déçu. Bravo à vous, j'adore votre pédagogie. Merci beaucoup. Bah du coup, je vais dire. Je, déjà, je lui mets un euh, petit cœur parce que voilà, merci à tous ceux qui euh, me suivent et qui mettent des petits coucou euh, dans les commentaires des vidéos. Moi, ça fait très plaisir. Donc en attendant que Fusion se relance, je lui dis euh, merci beaucoup. Hop, ça fait. Euh, ça fait très plaisir. Euh, hop là Et un petit point d'exclamation. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas un hein, surtout. Euh, je vous assure que je lis les commentaires de tout le monde. Et euh, chaque commentaire, euh, chaque soutien m'aide énormément. Vous ne vous rendez pas compte. Euh, ah, petite question, bah c'est vrai que j'ai pas relancé de concours de modélisation parce que euh, bah on avait dit on fait une petite pause en attendant. Si vous voulez relancer un euh, concours de modélisation, on peut, largement, on peut en relancer un dès maintenant euh, si vous en avez envie. On attendait un peu. Euh, on attend un peu, voilà j'en avais fait un, je dis bon, on va pas relancer un tout de suite, euh, on va attendre. Euh, J'ai même pensé à faire un truc éventuellement. Euh, je sais euh, Peut-être qu'on ouais, effectivement, pour relancer un concours de mobilisation si vous avez euh, des sujets, des trucs assez euh, funky. Euh, pourquoi pas Ah, attends, il était là en début de live Attends ta 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 Adrien, Adrien, Adrien. Non T'es en train de me dire... Ah très bien Coméga, je vois que tu fais fuir les nouveaux abonnés. Très très bien, bah écoute, euh, j'avais pas vu que t'étais... J'avais pas fait le rapprochement. Mais coupe Flop, bah si t'es là, euh, sache que juste que Coméga est un peu taquin. Euh, mais tout va très bien. Donc euh, n'hésite pas à faire un petit coucou. Euh, on ne mord pas. Si jamais t'as des questions sur les vidéos euh, que tu as regardées il y a pas longtemps, eh bien on peut largement y répondre. Tac. Bon après c'est vrai que les ambiances de live sont pas les mêmes euh, qu'en vidéo. C'est normal. Parce que sinon déjà ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Et euh, j'aime bien qu'il y ait un peu d'ambiance qu'on se bidonne. Ok, donc là la roue est trop grosse. Tout simplement. J'aurais dû le nombre de dents. Très bien. Ok. cette Position direct back. Ok, très bien et tu fais fuir les gens comme les gars quand même t'as pas honte t'as pas honte une pauvre personne qui devait être tout en joué se dire ah tiens ça a l'air pas mal en plus il y a des lives euh... et là paf tu as brisé son cœur comme ça soudainement très bien alors je tente un engrenage comme ça je n'ai aucune idée de si ça va fonctionner euh... parce que il euh... n'y a pas beaucoup de dents mais ça peut fonctionner euh, vous ne vous demandez pas, il y en a beaucoup de danse avec eux. Que... Bah attendez, parce que là, eh, j'ai fait là, les 6 dents qu'il y a ici. Mais quand je vais devoir faire toutes les dents qu'il y a là, ça va être une autre rigolade. Euh, en tout cas, je pense que je vais devoir continuer ce modèle euh, en dehors du live. Euh, parce que vu comment ça prend du temps, on n'est pas sorti. Euh, on n'a pas sorti le cul des ronces, comme disait Mamie. Hein, voilà. Tac. Ok. 30 degrés. Parfait. Euh... Oh, c'est lui qui t'a attaqué. Oh là là, mais quel mensonge ça! Il t'a pas attaqué. Il a juste voulu me défendre. <laughs> c'est pas la même chose. Écoutez, il n'y a pas d'attaque pendant mes lives. Il y a euh, que de l'amour. Capture position. Ok. Voilà. Euh... Que ça et euh, pas plus. S'il y a plus, euh, ça me plaît pas. Ok, project. Donc je projecte Maru. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ceci. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà comment j'aimerais réussir à créer ma denture. OK. En faisant tout simplement ça. Là, si je fais que ça, ça ne va pas se monter. C'est certain. Euh, D'ailleurs, oui, ça, ça a pas du tout se monter. Euh, attendez, j'édite un tout petit peu l'esquisse, parce que je suis en train de me rendre compte que, regardez, euh, ici... Alors, attends, ouais, ça va pas bien se voir. Ici, vous voyez, ça fait une espèce de petite goulotte, ce que je ne veux pas du tout, parce qu'en fait, euh, la dite goulotte va empêcher les roues euh, de bien... Euh, de bien euh, de bien se chevaucher en fait ça va ça va coincer en gros voilà tout simplement ça va coincer donc ce que je fais tout simplement je fais un truc vite fait ça va demander des tests hein, très honnêtement ça pour que ça fonctionne c'est la première fois que j'essaye ça euh, alors en plus le faire en live c'est toujours, toujours une partie de une bonne partie euh, de, euh, de plaisir mais il euh, va falloir que je teste tranquillement de mon côté que je fasse des impressions test pour voir si ça se monte bien Ok. Et ensuite, juste après, je regarde les bêtises euh, que vous avez écrites. Euh, te défendre, c'est m'attaquer. Euh, et euh, que l'amour, Kleber Sifredi. Écoutez, ça tombe bien que tu parles de Sifredi parce que tous les deux, on a un point commun. Euh, on a tous les deux un euh, très beau sourire, bien entendu. Et oui, c'est notre seul et unique point commun euh, avec cet acteur de génie et de renom. Je t'en dis un peu plus. Et maintenant, tout simplement, je vais pousser un peu les murs. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est très, très pratique pour euh, faire un peu d'ajustement. Tout simplement, offset face, je sélectionne mes faces. Et euh, regardez, je pousse un peu comme ça pour gagner de la place. Parce que si j'avais gardé euh, l'espacement de base, donc si je me mets comme ceci, euh, si j'avais gardé l'espacement de base, si je mets à zéro, euh, ça ne ça passera pas. Ça va frotter, ça va coincer, ça ne va pas bouger. Euh, déjà là, ça me paraît un peu ambitieux comme ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Et du coup, ce que je fais avec Offset Face, je peux facilement décaler mes faces pour faire un tout petit jeu mécanique qui va faire que ça fonctionne à peu près correctement. Euh, 0,5, c'est trop, donc je vais mettre 1, je crois, 1, ça va l'air pas mal. Ok, très bien. Euh, ici, vous voyez par exemple là, ça, ça me paraît un peu trop haut aussi. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple, encore une fois, un Offset euh, Face et juste ça. Tac, voilà pour gagner un peu d'espace. Alors, par contre, ce qui ne lui plaît pas, c'est euh, ceci là. En fait, c'est cette petite gorge que j'ai assez mal fait. Donc, je vais voir est-ce qu'un press pool fonctionne. Press pool, le press pool fonctionne. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je me fais un petit jeu mécanique comme ça pour, pour économiser un peu de temps euh, pour éviter d'avoir à retourner dans des fonctions. Et là normalement je pense qu'en théorie, si je fais fonctionner l'engrenage, ça doit engrainer. En théorie. Ah c'est vrai que. On part sur un live un petit peu tendancieux. J'en suis bien désolé. Euh, après, je sais que la plupart des gens qui me regardent euh, sont des hommes euh, assez. Euh, bon voilà, je pense que... Assez décomplexé, j'imagine, hein, quand je vois Coméga, euh, je pense qu'il n'y a pas de pression, euh, on est entre nous, hein, mais effectivement, ça ne passait pas en l'occurrence, n'y voyez pas une petite référence tendancieuse, euh, c'est sûr que d'habitude, les lives sont euh, absolument puritains, et euh, uniquement dédiés à Fusion 360. Tac, donc ici, 4, non, euh, 3... 3, c'est pas beaucoup, 3.5, ok. C'est vrai, mais rappelez-vous euh, la libre antenne. La libre antenne, euh, passer 22 heures, ça y est, c'est légal, on peut dire ce qu'on veut à la radio. Et eh bien là, c'est pareil. En fait, non, c'est pas du tout pareil. Euh, si jamais quelqu'un de mal intentionné venait à poster euh, des choses déplacées, ou à dire même des choses déplacées euh, sur le chat, eh bien vous pouvez être assuré euh, que euh, le chat se ferait bannir, enfin tout simplement je me ferais bannir de Twitch d'ailleurs même en mettant euh, si Freddy c'est tout à fait possible euh, en théorie, enfin, je pas dit que ça va arriver mais euh, c'est tout à fait possible ok alors sachez-le, il euh, n'y a rien de plus puritain qu'un américain et euh, et en l'occurrence qu'on parle de ça, ça ne leur plaît pas du tout ok Allez, petite répétition circulaire. Parfait. Et ben maintenant, je vais terminer de créer mon engrenage. Qu'est-ce qui serait bien triste, le chat que... Alors que je me fasse bannir, ça te ferait de la peine. Ou que... Euh... Non, j'ai mis Kleber S. Euh... Attends, alors là, le G... Euh... Là, j'ai pas le G. Je vois pas pourquoi t'as mis G. Pour le coup. Euh, euh, oui, alors en fait, oui d'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez trop les actualités euh, de ce genre de réseau, mais effectivement, euh, c'est à l'américaine, c'est très puritain, euh, ils n'aiment pas du tout qu'on parle de choses qui ne leur plaisent pas. Euh, tac. Alors après, bien entendu, on peut euh, mettre des armes à feu, ça ne les dérange pas, mais par contre... Euh, quand il s'agit euh, d'autre chose c'est la panique les américains paniquent, ils s'essoufflent ils sont pas contents voilà, tac, je valide, ça va ramer du cul un bon coup euh, bah si, il y, euh, y a quand même un petit siffredi dans le chat, euh, qui a fait ça hein, qui a fait ça non ne plante pas maintenant s'il te plaît je sais qu'il y a trop de patterns je le sais je pense qu'il peut y arriver Très honnêtement je pense qu'il peut y arriver. Euh, je crois en lui. Euh, je crois en fusion 360. Euh, parce que sinon en fait je vois pas comment je peux réussir à le faire autrement. Je vois pas du tout comment je peux réussir à le faire autrement. Alors si je peux décomposer en deux fonctions. Euh, effectivement, j'aurais pu faire peut-être un miroir. Ouais, j'aurais pu faire un miroir. Effectivement, bah écoutez, si ça plante, je le refais, mais avec un miroir. Ce coup-ci, j'en ai marre que ça plante. Ça a commencé à faire de la peine à mon petit cœur. Poum, poum, poum. Mm -hmm. Oui, bon, bah voilà. Ah, si, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Très bien, mais merci, l'ordinateur de qualité, l'ordinateur gamer. Parfait. Et donc voilà comment j'ai créé. Euh, un plateau euh, denté, tout simplement. Euh, tuk, 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 donc je, re, je regarde juste un peu hein, comme ça je, pour imaginer le truc. Mais normalement ça doit fonctionner. Alors ici, euh, vous voyez, la dent touche un peu à cet endroit-là. Donc il faut que je refasse un tout petit peu ma roue dentée ou que je la descende d'un cran. Autre possibilité. Euh, tac, le seul problème là, c'est qu'actuellement, je, okay, je vais faire un truc pas bien. Salut Pemusty, bienvenue. Salut Pauline, comment ça va euh, Tac tac tac. Pourquoi je dis Pauline Moi je suis complètement con. Cool. Euh, full drogué cet enfant. Tac donc regardez, en fait là j'ai juste raccourci un peu pourquoi. Euh, normalement l'engrenage il est fait euh, directement du coup dans Fusion 360. Donc c'est censé être euh, carré, cali euh, le seul problème c'est que si je modifie l'engrenage ça va remodifier ce qu'il y avait après donc ça va refaire le calcul pour la crémaillère machin, ça va ramer un peu. Donc je fais ça comme un bourrin et, euh, et n'en parlons plus. Euh, tac 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 tac. Euh, Moi tout ce que je veux c'est retirer cette partie. Je vais juste retirer un tout petit bout de la dent. Je sais c'est du travail de bourrin, mais euh, je suis un bourrin. Pemusty Petit A, je suis un bourrin. Petit B, je ne suis pas un bourrin. Euh, à toi de statuer. Parce que si je demande au chat ou à Coméga, bah bien entendu, euh, ils vont me dire oui, euh, juste pour me faire chier. Hop. Parce qu'on les connaît, hein Ces belges. Tac. Comme ça, c'était gratuit. À tous les belges qui si nous regardent ce soir, je vous assure que euh, je vous aime. Ok, voilà. Donc là, normalement, c'est censé... Euh, ça passe. Ah, Alexandre Gauthier qui l'a pris euh, personnellement, le tacle sur les Belges. Et bien entendu, euh, c'était sûr. Les Belges, bien entendu, qui se prennent une Bastos. D'ailleurs, de toute façon, un rendez-vous Liège avec Coméga. Et ce euh, et sera avec grand plaisir. Je pense que je trouve assez amusant, c'est qu'en fait, euh, au final, les Belges, vous êtes les plus actifs sur, euh, sur ma chaîne. Alors pourtant, vous êtes les moins nombreux. C'est assez amusant. Euh, alors en fait, non, Coméga, mensonge euh, En fait, vous n'êtes pas 90% de mes viewers. Euh, vous êtes, attention, je vais vous le dire ici même en live. Donc on va aller dans Analytics. Et si on regarde, attention, euh, l'audience. Attention, où est-ce que c'est? Regardez le pourcentage français-belge. Ah, attendez, j'ai raté mon zoom. Vous voyez qu'effectivement, euh, les belges ne sont pas euh, majoritaires, hein, tout simplement. Euh, et pourtant, bah, vous êtes les plus actifs. Euh, donc, surtout, bah, restez comme vous êtes. Hein, c'est pas grave. Et d'ailleurs, bah, vous pouvez voir que maintenant, euh, je suis devenu riche grâce à vous. Je me suis fait. Euh, 5 euros en depuis le 13 février, donc en un mois je me suis fait euh, 5 euros grâce aux vidéos YouTube. Donc vous voyez que, effectivement, comme on vous l'a toujours appris, les YouTubeurs sont des menteurs et euh, vraiment ils n'hésitent pas à se faire du pognon sur votre dos. Voilà, retenez-le, sachez-le. Tac, ici, hop, hop, j'ai ma petite roue dentée. La France en force, mais oui, mais merci Adrien. Voilà, Adrien qui est français, qui est français, qui le reconnaît. Et là, le, le live qui prend un énorme virage à droite. Euh, non, pas du tout, euh, vraiment, ça ne me dérange pas. Vous pouvez venir de Nouvelle-Zélande, du Togo ou euh, de n'importe où, ça euh, ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez venir de la Belgique, euh, de Wallonie et encore, euh, que sais-je, d'ailleurs. Franchement, euh, je m'en fous. Surtout que euh, pour moi, le plus important, euh, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. Et euh, j'aimerais surtout bah, remercier quand même le chat Coméga, Bruno, euh, Yobi et euh, le galérien aussi. Euh, je suis sûr que j'en oubliais dans l'eau, mais euh, à tous ces gens-là qui mettent l'ambiance tous les soirs sur le Discord ou dans le live. Merci à vous quand même. Ça, il ne faut pas vous leur tirer Voilà, voilà. Et vive la France, bien entendu. Pas n'importe quelle la France. France générale de Gaulle. Euh, faut que j'arrête de regarder au C117. Le confinement ne m'a pas réussi. Tac. Et voilà, 24 spectateurs qui voient effectivement un youtubeur euh, partir complètement couille. Voilà. Alors là, j'ai encore envie de faire un truc. Ça a encore planté. Je suis en train de me dire quelque chose d'assez intéressant. Touc tout touk. Vous voyez ce trou là en fait Le trou ici il m'embête un peu, euh, il ne me sert à rien. Euh, tac. Manivelle est là, euh, le plateau c'est là. Bon attendez, je, je fais un petit peu le modèle 3D parce qu'au départ on a dit qu'on partait ici pour faire un modèle 3D et euh, je me retrouve à parler euh, de pays euh, ce qui n'avait aucun rapport avec euh, ce qu'on avait prévu de base. Donc mon idée... Euh, bah tout simplement Oui. Mon idée, oui. Euh, en fait, ce que je veux c'est reboucher le trou. Euh, tout est, en fait, le, mais je veux reboucher le trou sans avoir à revenir en arrière. Pour la simple et bonne raison que sinon euh, ça va ramer. Et euh, que j'ai pas envie de vous faire attendre plus que ça à vous montrer un ordinateur qui charge euh, plein de trucs différents. Donc ce que je vais faire, tout simplement, je reprends l'esquisse qui avait fait le trou. Et euh, manivelle et coque pourquoi ça c'est là ah oui Tac. et tout simplement je fais un start from object ici et normalement ça va reboucher le trou à ah, fail to project ah oui mais ça a fail parce que euh, ça a fail ça a fail pourquoi ok non, je sais abandon Abandon de la mission. Euh, tout simplement, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un loft. Tac. Euh, non. Euh, Choppe-moi un bon profil, s'il te plaît. Non, bah alors attendez, je sais voilà, là, cette fois-ci, je sais comment je vais faire. Je crée une esquisse, n'importe où. On s'en fout. Je vais dans Project Include, Include 3D Geometry. Ok. Euh, ok. Je chope ici. Je chope ici. Tac le contour de mon cercle qui est là tac le contour ici je valide ok et maintenant je peux faire un loft normalement de ce cercle je peux pas je peux je peux pas coq je peux pas merde je peux pas Rah, les poules j'ai la haine euh, j'ai la haine pourquoi je peux pas alors tout à l'heure j'ai réussi je fais deux fois la même chose et là ça ne veut pas quoi bon alors il c'est quoi la France en force très bien bon ça je l'avais lu euh... mais moi j'aime les Belges il hein, n'y a aucun souci euh... sur youtube 21 visio Twitch Twitch vous êtes 5 bah, écoutez euh, merci à tous ceux qui sont sur Twitch et 21 euh, sur youtube euh, n'hésitez pas à vous abonner à poster un petit message dans le live ça nous changera des bêtises euh, de d'habitude euh, alors je, non que je ne vais pas mettre de roulement pour la manivelle ça serait complètement overkill je pense Mais euh, pourquoi pas après euh, vraiment si as envie de faire ça euh, Pourquoi pas Ah euh, bah Commega bah, nous quitte, Néosilphine nous quitte du coup Donc bah bonne soirée à tous les deux euh deux plaques avec de l'huile, mais en vrai, vraiment les deux plaques avec de l'huile. J'ai regardé sur Fingiverse et j'ai remarqué que beaucoup de personnes en fait faisaient juste des plateaux qui se frottaient dessus, un truc vraiment dégueulasse. Mais euh, bah, je trouvais ça pas top en fait. J'arrive pas à reboucher ce trou. Vraiment, ça commence à m'énerver. Est-ce euh, que je peux faire un offset face du trou? Euh, offset face. Parfait. À plus de trous. Très bien. Voilà, le trou était facilement euh, modifiable, mais c'était juste parce qu'en fait, j'avais pas envie d'avoir un trou, euh, de, de revenir en arrière pour modifier le trou. Tout simplement. Ok, très bien. Donc ça c'est fait. Et maintenant, ce que je peux faire, bah pour avoir mon trou d'axe ici, je vais faire, hop, combine. Euh, je sélectionne ça, je sélectionne ceci, et je vais faire un cut. Alors j'ai pas sélectionné dans le bon ordre, autant pour moi. Donc le target body c'est lui et le tool body c'est lui. Ok et je fais keep tools voilà. Et en fait en gros ce que je lui ai dis, regardez je vais cacher, je lui ai dit tu prends le body qui est là et tu coupes le gros body ici à partir de ce de Et voilà. Et voilà voilà. Euh, si euh, j'aime vos conneries, euh, pmestige, je, je, je les adore. Euh, voilà. Ah, hop, oh, petit pouce, petit pouce bleu d'Adrien parce qu'on a dit la France en force du coup. Mais oui, mais carrément. Euh, allez, tiens, 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 comment on se retrouve Hop là. Non ça. Mais j'ai pas l'habitude de gérer des lives aussi animés, euh, même des discords aussi animés. Euh, tac, tac, tac. Ok. Donc là, j'ai ma manivelle, c'est très bien. J'ai mon engrenage et en théorie, je dis bien en théorie, ça doit fonctionner. Ah, le, très bien, le roulement c'était pour mon moté, très bien, ça marche. Euh, je retiens pour plus tard, tu es sur ma liste MyTook, je te préviens. Ok, donc là, bah en fait là c'est bon. Normalement, là ça doit fonctionner. Si jamais euh, je modélisais ça, ça devrait pouvoir réussir à se, à se faire. Euh, le seul truc que je dois rajouter pour le moment, c'est regarder. Euh, Regardez, c'est comment je monte les deux. Comment je monte la manivelle avec l'engrenage le, euh, et le petit axe. Donc ce que je peux faire, c'est qu'ici, je fais juste un tout petit trou d'ajustement. Donc je vais mettre 0.3. Voilà. Euh, pour que l'axe puisse passer librement dedans. Peut J'ai peut-être mis un peu trop. Euh, ok. Et ici, bah, je vais créer une esquisse. Alors là vous ne la voyez pas très bien parce que je modélise euh, un peu à l'envers, donc je vais cacher la coque ici, voilà. Je vais faire une petite esquisse. Euh... Donc pour être sketch, je suis déjà dans une sketch. je fais n'importe quoi. Euh, je vais dans mon esquisse, je projette le contour ici. Je valide. Je vais créer un logement à l'intérieur de ma manivelle. Voilà, moins 3, ça me paraît pas trop mal. Très bien. Je cache mon engrenage. Ensuite, je vais ici agrandir un peu le trou de 0.4, on va dire. Euh, non, je vais l'agrandir, pardon. Tac, voilà. Et maintenant, euh, je vais ici. Donc, je cache ma manivelle. Je vais juste faire un press-pool pour agrandir ma tige. Voilà. Je valide. Et si on regarde maintenant, bah, euh, si on fait une vue en couple, alors là, voilà, 0.4, ça me paraît énorme. Euh, je vais réduire un tout petit peu. Peut-être 0.2, ça me paraît un peu plus correct. Peut-être même 0.1. Voilà. Et donc là, normalement, bah, tout le monde se monte euh, les uns dans les autres. Et voilà. Et, euh, et du coup, comme ça, quand je l'imprimerai, eh bien, j'imprimerai ma petite manivelle. Juste comme ça, à plat. Et ensuite, eh euh, j'imprimerai l'engrenage à côté. Tout simplement. Donc voilà comment faire un petit montage rapide. Euh, que je reprendrai peut-être après en off. Parce que euh, sinon, je ne suis pas sûr que ça se monte à la perfection. Euh, ah, salut Timus, je vois que tu as du temps à perdre pour regarder de la modélisation 3D, ça me fait plaisir de te revoir. Euh, Blucher m'a parlé euh, peut-être du IRL, Timus. Est-ce que tu confirmes Tac, tac, tac. Et voilà, donc là on a notre plateau tournant euh, qui fonctionne. J'ai envie de faire euh, un test d'assemblage. Donc là je passe tout en components et je regarde si ça tourne. Euh... Ah oui, bah oui, mais grâce au like, merci Adrien euh, pour ton like, grâce à toi j'ai dû gagner effectivement un tout petit centime. Mais euh, ouais, donc euh, d'ailleurs oui si vous voulez voir euh, les revenus, euh, vous pouvez voir effectivement que... Euh, là, c'est en fait ici à cet endroit-là, j'ai mis des pubs vidéo non désactivables. Euh, ici aussi, et là, c'est juste des encarts publicitaires. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, est-ce que, à votre avis, sa grande question, vous voyez là, vous, vous êtes le chat, euh, vous avez la capacité de faire et de défaire cette chaîne. N'hésitez pas, est-ce que les pubs vous ont fait chier sur la dernière vidéo si vous l'avez regardé et si elles vous ont fait chier bah, je ne remettrai euh, plus de pub euh, comme ça et si elles vous ont pas fait chier, bah écoutez euh, je, éventuellement j'en remettrai euh, alors je, je le mettrai à un autre moment je pense mais euh, j'en remettrai parce que du coup bah, ça aide un petit peu à faire tourner la chaîne euh, salut euh, Bad Dragon euh, du 95 bienvenue à toi j'espère que tu vas bien c'est la première fois que je te vois sur ce live euh, n'hésite pas à nous dire un peu ce que tu modélises euh, bon bah team il t'a rien dit je n'ai pas fait de don pour que ça tourne euh, sur lui-même. Alors, effectivement, là, il y a un risque. Vous voyez, il se barre euh, petit à petit, tout seul. Donc, euh, c'est un peu le problème. Oui, alors, euh, je, je peux les laisser. Mais est-ce qu'elles vont pas être trop invasives En fait, c'est juste ça, ma question. Est-ce que vous les trouvez trop invasives Est-ce qu'elles ne sont comme il faut euh, Si vous les trouvez trop invasives, je peux, euh, je peux les réduire. Voilà, tout simplement. Ça, moi, ça me dérange pas de les réduire. Euh, très honnêtement, si je veux me faire euh, de l'argent sur la chaîne YouTube, euh, ce n'est pas avec ces pubs-là que je vais vraiment me faire euh, des thunes. Voilà, tout simplement. Euh, si j'avais voulu me faire des thunes, j'aurais fait très certainement du gaming. Voilà. Bon, ok, ça n'a pas l'air d'avoir trop gêné. Très bien. Moi, bon, après, c'est qu'on a l'habitude en même temps sur les réseaux sociaux d'avoir la blinde de pub. Et voilà. Pour faire une petite animation et pour regarder euh, si ça tourne. Euh, j'ai en fait tout d'abord, regardez bien, j'ai passé tous mes body en components. Les components en fait c'est ce qui vous permet de faire euh, des animations, de, alors pas des simulations, euh, mais en tout cas de regarder les liaisons mécaniques entre vos objets. Donc voilà tout simplement je fais clic droit et créer un composant tout body. Euh, non enfin c'est pardon, c'est l'inverse, c'est créer un composant à partir d'un body. Hop là, je fais ça pour tout. Et maintenant je vais créer des joints. Qui vont me permettre de, euh, de donner des liaisons à tout ça. Parce que actuellement, tel quel, regardez en fait, tout peut bouger, tout se déplace. Voilà. Donc la première chose que je fais, quand je fais euh, des, euh, comme ça, des liaisons cinématiques, je crée en fait une pièce de référence qui doit être fixe. Et du coup, euh, je vois qu'une pièce fixe, tout simplement, et eh bien c'est euh, cette pièce-là. Cette pièce là ne doit pas bouger, hein, vu que c'est le corps de mon plateau tournant. Euh, tout simplement donc ce que je fais c'est je clique sur coque je clique sur le composant et je regarde un endroit j'ai ground alors ça doit être sol ou ça doit être fixé en français et en fait ça va permettre donc là je fais continue ça permet en fait de faire en sorte que cette pièce ne bouge plus c'est une pièce fixe c'est une pièce de référence à euh, ah, du 34 derrière vpn. Euh, ah, habituellement, tu regardes les redifs mais écoute, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les redifs et donc ça me fait euh, très plaisir de te savoir présent parmi nous. Euh, bienvenue à toi. Euh, alors, attendez, qu'est-ce que j'ai raté euh, Bon, ok, très bien, petit. Bah, salut à toi, petit. C'est la première fois que je te vois d'ailleurs euh, sur le live. Euh, bon, très bien, tu as l'air d'être. Euh, ouais, ok, t'es blindé, t'as l'habitude. Euh, effectivement, c'est vrai que maintenant, les gens ils ont quand même assez l'habitude de voir les pubs. Après moi je suis frustré de... Euh, je suis assez frustré des pubs qui durent, des plombes et des plombes, donc effectivement je peux comprendre que ça vous gave si jamais je fais trop de pubs. Ok. Donc là, tout simplement. Euh, ZAXIS non. Euh, non. Non plus. Il se fout de ma gueule ou quoi euh, Alors attendez. Tout simplement en fait maintenant ce que je dois rajouter c'est des joints et les joints ce sont des liaisons mécaniques entre deux pièces et euh, là en fait par exemple vous voyez j'ai ici mon engrenage, je sais qu'il tourne, et donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais sélectionner deux axes. Ok, donc l'axe intérieur ici, voilà. Et je vais aller dans motion et je vais dire revolute et revolute, ça correspond en fait à tout simplement un truc qui tourne. Et euh, comme ça, bah voilà, tout simplement, hop là. Je dis à mon logiciel que euh, mon engrenage doit tourner par rapport à ce trou-là. Voilà, je le repositionne rapidement avec un offset. Je valide et je vais faire ici, par contre, pour la manivelle, autrement. Regardez, je fais encore un join. Je sélectionne le fond de la manivelle ici. Voilà. Et je sélectionne là. Et là, par défaut, il va venir se positionner et il va faire un. Euh, révolute encore il va tourner sauf que moi je veux que ces deux pièces en fait à la fin je vais les coller ensemble et elles ne vont plus bouger donc vous voyez en fait vous avez ici un panel de plein de liaisons mécaniques euh, standard et eh bien regardez j'ai ici rigide et ça veut dire tout simplement que les deux pièces sont collées ensemble je valide et maintenant les deux pièces sont collées ensemble regardez et voilà je peux tourner très très vite vraiment on peut aller très très vite comme ça hein. le plateau il peut tourner à vitesse de lumière ok et maintenant et eh bien on va faire la même chose pour le plateau tournant qui est ici. Tout simplement, je fais encore un joint, je sélectionne ici cet axe-là, et je sélectionne maintenant un axe de référence euh, sur mon modèle. Alors, petite astuce, pour sélectionner un axe assez facilement, vous cliquez sur une surface, et là, en fait, il va vous verrouiller les points de référence. Et voilà, comme ceci. Là, je mets Revolute encore, et il tourne, et voilà. Et du coup, maintenant, bah, regardez, hop, ça tourne. Alors vous ne le voyez pas très bien, euh, c'est normal, en fait c'est tout simplement parce que euh, en fait, vous n'avez pas de point de référence et pas de graduation euh, qui vous permet euh, du coup de visualiser correctement le truc. Euh, ok, 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 très bien. Oh, regardez, pour que vous voyez bien le plateau tourné, je vais vous montrer euh, le tournevis qui va sortir normalement. La vidéo va sortir mercredi. Tac. Donc je positionne comme ça à peu près. Ok et je vais le fixer au plateau. Euh, comment je vais fixer au plateau D'ailleurs j'en ai aucune euh, idée parce qu'il n'y a pas trop de points de référence comme ceci. Euh, ça va être un peu dégueu. C'est pas là. joint. Euh, je vais faire, je vais sectionner. Je sais pas. Euh, J'ai pas beaucoup de. Je mettrai référence. Tac. Euh, je vais faire un rigide. Ok et je vais juste repositionner maintenant euh, le susnommé tournevis euh, correctement. Ah, ah, il n'a pas du tout positionné comme j'aurais voulu. Euh, entre deux faces. Euh, tout, 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 tout. Ah oui, alors attendez, ça, ça m'énerve, euh, ça va me gêner. Euh, motion, non. Intersection de deux arêtes. Pourquoi pas Attendez, je réfléchis à mon truc, comment je me sors de euh, l'endroit où je me suis fourré. Ok, ok. Ah, pas mal, là, ça, il est pas trop mal positionné. Ok, c'est bon. Je valide. Euh, et regardez, voilà. Maintenant, j'ai mon plateau tournant, comme promis, et il tourne avec le tournevis euh, posé dessus en joli présentoir. Tout simplement. Donc ça a pris quand même euh, deux petites heures de live pour faire le plateau tournant, et encore, je pense qu'il y a encore un peu de travail dessus. Mais on n'a pas fini, on n'est pas parti, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que regardez, là ça tourne. En fait, les deux, si je regarde en dessous, vous voyez que mon engrenage tourne. Et celui-ci aussi. Sauf que, en fait, ils ne sont pas reliés entre eux. Et j'ai envie de tenter un truc un peu, euh, un peu touchy. Euh, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, oui, ce sont tout simplement des modèles 3D. Donc ils peuvent se croiser. Euh, voilà. Ça ne, ça ne fait pas grand chose. Ce que je peux faire, c'est aller ici dans Assemble. Et j'ai... Euh, Activer les contacts. Et en gros... Alors je fais continue. Euh, non. Alors attendez, je me suis planté. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Ok. Euh, attendez, attendez. Capture position. Capture position. Pourquoi Qu'est-ce m'a fait Qu'est-ce m'a fait euh, J'espère qu'ils n'ont pas fait de mise à jour de ce truc-là. Parce que... Ah oui, new contact... Pardon, je vais dans new contact 7. Et je vais lui dire... Je sélectionne ces deux bodies-là. Et en gros je lui dis entre ces deux bodies quand ils se touchent euh, en fait il faut qu'ils soient considérés comme solide entre eux. Voilà, il faut qu'il fasse euh, comme ça quoi. Voilà voilà. Je valide. Et maintenant normalement, si euh, lui tourne, alors attention, je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah ça fonctionne pas. Il n'arrive pas à le résoudre. Ah j'ai fait, fait encore planter fusion. Troisième fois, ce soir j'en ai marre. Euh, ah si c'est bon, il l'a pris. Parfait. Et donc j'étais à deux doigts de lire le chat. Oh parfait, oui, il s'est rentré. Ah, est-ce que ça, ça, ça tourne ou ça tourne pas ah, Ok. Alors effectivement, en fait, contact 7, c'est quelque chose qui demande énormément euh, de calcul à l'ordinateur. Donc euh, c'est pour ça qu'il a un peu de mal. Mais euh, normalement, je devrais pouvoir tourner la manivelle. Et faire tourner en même temps euh, en même temps les deux. Euh, le problème c'est que c'est pas très... Enfin, c'est pas une question que ce soit pas optimisée. c'est que pour l'ordinateur, ça demande énormément de travail. Donc euh, ça rame à mort. Donc euh, voilà, là ça ne veut pas du tout. C'est pas grave. Salut Dédèche, ah, ben, donc il y a toute la team. Euh, Enigme, stop girl, pub qui paye bien. Euh, euh, mais en fait, moi je, je peux pas contrôler. Euh, je peux pas contrôler les pubs qui passent sur, euh, sur les vidéos YouTube. Euh, le chat, j'ai pas ce contrôle. Putain, ça va pas de planter le coup. Faut que je désactive le contact set parce que ça demande trop de calcul pour l'ordi. Euh, merde, ça va planter. Allez, il peut le calculer, il peut le faire. Euh, mais donc non. Euh... Ouais, you got this. Euh, oui, alors actuellement, en fait, ce que j'ai prévu d'ailleurs, vu que vous êtes là, pour. Euh, tant que ça plante, pour monétiser un peu la chaîne, euh, j'ai prévu des abonnements YouTube pour que vous ayez des émoticônes pour le live chat. Donc, ça, si ça vous intéresse, éventuellement, vous pouvez avoir ça. Et deuxième truc aussi, euh, j'ai prévu des liens affiliés Amazon, euh, mais j'ai pas eu le temps de faire les vidéos, en fait, avec les liens et tout, machin. Je suis un peu à la bourre dans toutes les vidéos que je voulais faire. Euh. Donc, euh, ça arrivera. Enfin, voilà. Tôt ou tard. Ah, ton bureau, Dedesh, ils vont acheter Autodesk, mais je pense qu'ils vont acheter. Euh, bah, ils vont acheter la version directe Autodesk. Ils vont pas prendre Fusion 360. Parce que Autodesk, Fusion, c'est bien, mais euh, pour l'industrie, c'est quand même mieux Autodesk. Euh, tac, tac, tac. Motion Link, Drive Joint. À un moment, si je fais un Drive Joint entre lui et lui pas faire un truc non alors je crois qu'il y a un moyen de lier deux joints entre eux euh, continue mais très honnêtement je ne le connais pas comme ça euh, je risque de vous pipoter si je vous dis euh, je le connais oh oui yes bon oh, parfait mais c'est excellent ça excellent ok je valide attendez excellent excellent voilà. Adia Je suis satisfait. Alors par contre... Ah oui, Inventor aussi. Ouais, en fait, ils vont me prendre toute la suite Autodesk. Euh, ouais, en gros, le chat, en fait, l'idée c'était du coup de... Euh, en fait, la souris 3D ne va pas me rapporter d'argent directement, mais c'était éventuellement avec les liens filiés. Euh, de vous proposer un truc. Putain, c'est incroyable là. <laughs> Je suis trop satisfait. <laughs> ah, c'est excellent. Euh, donc effectivement, euh, voici une montre à Gousset euh, du 15e siècle. Voilà. Comme a dit Dedesch. Donc voilà, enfin en gros, par contre, ça, ce qui est très important de souligner, c'est que votre euh, en soi, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez dit au logiciel, tu vois, mes deux liaisons, tu les fais, euh, tu les lis entre elles. C'est euh, par exemple, vous voyez, là, il y a probablement un rapport d'engrenage qui n'est pas respecté. Ou ici, vous voyez, en fait, que euh, mon plateau tourne plus vite que ma roue. Vous voyez, donc en fait, c'est juste vraiment, c'est virtuel. C'est pour visualiser que euh, qu'il y ait bien quelque chose qui se passe, mais en réalité euh, c'est pas vraiment ce qui va se passer en vrai. Voilà, mais au moins c'est euh, ça donne un petit truc visuel euh, si vous voulez jouer un peu avec, voilà, vous pouvez tourner comme ça, voilà, c'est rigolo. J'ai joué avec, je pense que je pourrais passer un bon moment à euh, faire tourner ce truc tout doucement. Voilà, je trouve ça extrêmement euh, satisfaisant euh, de voir ça tourner. Et maintenant, eh ben, il faudrait rajouter le moteur à tout ça. Euh, parce qu'il nous manque le petit euh, moteur qui va nous permettre du coup de faire actionner euh, l'ensemble. Euh, comment je me débrouille pour ajouter le moteur Et eh ben j'ai une idée. Voilà, en tout cas, euh, après, bien entendu. Alors oui, pour tous ceux qui sont là, euh, parce que là, il y a pas mal de potes à moi qui traînent euh, sur le chat, mais je sais quand même qu'il y a quelques gens qui me regardent et qui sont intéressés euh, par euh, cette modélisation. Vous pourrez retrouver probablement demain ou peut-être même ce soir le lien Fusion 360 pour accéder à, euh, à ce modèle. Et donc vous, vous pouvez le récupérer, regarder, faire ce que vous voulez avec. Euh, du moment que vous ne le revendez pas ou que vous en attribuez pas le mérite euh, sur Vic Universe, je m'en fous. Mais euh, du coup, vous pourrez accéder au modèle. Par contre, attention, euh, il y aura des modifs à faire. C'est pas dit que ici ça fonctionne parfaitement. Euh, va falloir que moi, de mon côté, je bricole un peu pour voir si ça fonctionne bien. Mais donc, euh, ne considérez pas que le plateau fonctionne à la perfection pour le moment. Il y a encore euh, deux trois euh, mises à niveau à faire, deux trois modifications. Voilà. voilà. C'était le petit instant prévention. Mais euh, vous pourrez retrouver sur le Discord. Normalement, euh, je ne peux pas vous poster le lien. Mais regardez bien si vous êtes sur Discord. Si vous recherchez les liens, vous allez ici dans euh, Lien Modèle Tuto. Et vous avez ici tous les liens Autodesk pour accéder et télécharger directement euh, les modèles que j'ai euh, réalisés en live, en vidéo et euh, tout ça. Euh, normalement je peux faire euh, je peux copier le lien euh, tout illimité comme ça euh, oui je vais le mettre en perpétuel copier hop comme ça euh, si vous avez besoin euh, de euh, tester ah merde je peux pas poster sur mon propre chat putain tu te fous de ma gueule je peux pas poster sur mon propre chat donc euh, le chat le chat je vais te le mettre dans le général si jamais tu peux euh, le poster euh, tu seras un type bien comme ça ça enverra verra directement euh, sur le, euh, le le bon chanel Ah oui effectivement la crémaillère il faut que je fasse un petit balayage par évolution tu sais quoi je vais le faire euh, de suite euh, regardez tout simplement effectivement en fait la crémaillère pour le moment elle rentre en contact avec avec le l'ossature en fait et euh, ce qu'il faut que je fasse tout simplement regardez, je me positionne ici je regarde à peu près à l'œil à l'œil, tac. 8 Donc il faudrait que je recote, hein, mais là j'ai un peu la, j'ai un peu la fin de côté, je refais ça, euh, je referai ça proprement après euh, plateau. Je cache le plateau, tac. Et je fais tout simplement en fait un balayage par révolution, en sélectionnant cet axe. Voilà. Je valide. Et normalement, hop. Vous voyez, la crémaillère ne rentre plus en contact avec. Oui 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 c'est bon voilà en fait oui j'avais repéré hein, le coup de la crémaillère mais c'est juste que je l'avais encore fait euh, voilà mais en fait je l'ai pas trop en fait il faut que je... je vais affiner un peu les contreforts en dehors du live parce que du coup ça va demander un peu de temps euh, je vais affiner un peu les contreforts euh, qu'est ce que je vais faire aussi en dehors du live je vais reboucher les trous machin je vais affiner 2 trois trucs j'ai optimisé pour l'impression 3D Là juste ce que je vais faire ce que je vais faire c'est euh que j'arrive à connecter tout simplement mon, euh, mon moteur comment je vais faire comment je vais faire pour connecter mon moteur j'ai une idée une idée qui me paraît pas trop déconnante euh, pour ce faire attendez je, je processe là euh, je processe un max et euh, pour ce faire vous savez quoi on va utiliser la fonction loft et euh, je trouve que j'utilise assez peu en solide et euh, du coup, elle va nous permettre de trouver une solution pour euh, ce petit problème. Alors, pour faire cette fonction Loft, il faut que je réfléchisse au profil que je veux connecter ensemble. Donc, euh, le premier profil, je vais le créer dès maintenant. Ce que je veux créer, c'est à partir d'ici un profil. Donc, comme ça. Et qui ne rentre pas en contact avec euh, l'axe. Donc, un profil à peu près euh, de cette tête-là. Je vais lui mettre 13. Voilà. Ça, c'est mon premier profil. Celui-ci. Et maintenant, donc toujours dans l'idée de faire un support. Et normalement, ça ne devrait pas nécessiter de support si je me débrouille pas trop mal. Ok, donc là je cache mon plateau. Hop, plateau à la plonge. Euh, coque à la plonge. Le euh, tournevis pareil. Très bien. Donc ça imaginons que bien c'est mon, euh, mon plateau c'est mon support et je veux connecter mon moteur à euh, ce support et bien ce que je peux faire je finis mon esquisse je vais créer une esquisse directement sur euh, mon components voilà et ce que je vais faire euh, bah je vais carrément réutiliser vous savez quoi je fais faire un project et je vais utiliser en grande partie la forme euh, de mon modèle de base tac et euh, donc je vais garder ça et je vais même rajouter ici un petit cercle qui euh, un petit jeu mécanique en fait tout simplement à cet endroit là euh, tuk 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 tuk. donc si toi je te supprime donc euh, couteau jaune à la plonge, je réserve. Voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est un québécois qui fait des vidéos de cuisine euh, qui est absolument excellent. Il est très drôle. Voilà. Et donc là, j'ai un profil ici. J'ai mon deuxième profil qui est là. Et maintenant, je vais faire un loft pour connecter les deux. Et on va voir euh, ce que ça donne. Hop, hop. Un new body, parfait, je valide. Et euh, si je cache mon moteur, parce que là normalement mon moteur. Euh, pourquoi mon moteur ne rentre pas dedans Ah oui, attendez. Euh, attendez, 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 attendez. Ah tiens, il a pas fait tout à fait comme euh, ce à quoi je m'attendais. Euh, moteur asynchrone. Ah, c'est marrant ça. Attendez. Ah, tiens. Euh, pouf, pouf, pouf. Euh, attendez, le loft ne s'est pas passé tout à fait comme je l'avais prévu. Euh, c'est marrant ça. Mais regardez, je vais faire ici, en fait, vous voyez, euh, si je cache mon moteur. Et je regarde. Euh, mon loft, je ne sais pas pourquoi, mais mon loft n'a pas respecté le trou. Donc je vais voir, en fait, c'est tout simplement peut-être qu'en faisant ici un rail... Ah il ne touche pas tous les profils donc il ne veut pas ça en rail très bien ah, ça me surprend ça si je te dis lui et lui c'est marrant ça ça me surprend un peu qu'il coupe tout bah vous savez quoi très bien je dis ok tu coupes tout ça me dérange pas je refais un loft okay, de lui à lui qui va couper je valide. Et comme ça, euh, j'ai une pièce. Euh, merci le chat pour le partage du lien. Tac. Tu... Euh, D'ailleurs, oui, je ne comprends pas pourquoi le chat, tu n'es toujours pas euh, modérateur, en fait. Ça me. Je m'interroge. Tac. Et maintenant, je connecte les deux ensemble. Et maintenant et eh bien j'ai un moyen de soutenir mon moteur parce que si je le fais réapparaître et eh bien mon moteur se monte parfaitement là dessus tout simplement je me suis pas cassé la tête euh, éventuellement ce que je pourrais faire c'est regardez je retourne en arrière euh, parce qu'il va falloir faire un passage de vis voilà là le truc qui manque c'est un petit passage de vis euh, donc tac, je cache ça. Euh, euh, je cache ça. Qu'est-ce que je garde Je garde ça, je garde ça. Je crée juste une nouvelle esquisse en fait. Euh, D'abord, je crée un plan ici. Hop. Je commence à plus faire attention à ce que je dis. Je ne suis plus en mode live. Euh, tac. Faut que je fasse gaffe. Ça demande de la pratique de rester quand même concentré en live, de rester compréhensible et facilement accessible tout en faisant la vidéo. Je trouve c'est pas si simple euh, que ce que je croyais. Euh, alors, ok, je valide et là en fait ici à mon, sur mon loft, je le supprime, delete. Oh t'as pas chopé des géométries qui ah si c'est merde j'ai pris des géométriques qui n'existaient pas. feature. Uh, start from here. Uh, uh, J'arrive, j'ai vu que quelqu'un avait dit un truc un peu intéressant. Okay, tac. Non, c'est 2.5. Ok, uh, edit. Ok, pas de panique, je suis sur le coup. Je fais un petit project encore. Je rattrape juste ma bourde parce que là, tac, je n'étais plus concentré. Ok, ok, ok. J'ai vraiment une endurance en carton pour les lives. Euh, C'est assez impressionnant. Euh, donc là, le combine, il, bah, il a planté. Forcément, ce que logique, j'ai supprimé. Euh, j'ai supprimé ses relations. Tac. Un loft. Et là. Non, me dis pas ça. Ok, très bien. Je valide. Oh, il a fait un truc euh, épais, quoi. Vraiment épais. Et je refais le loft pour retirer la matière. Laissez passer le trou. Voilà. Euh, loft, loft, loft. Un cut. Ok. Voilà. Alors, l'axe du moteur va être courant. Oui. Effectivement il va être un peu court. Alors attends. Euh, si je ne me suis pas trompé dans ce que je faisais, normalement l'axe du plateau rentre dans euh, ce cylindre. En théorie, si je ne me suis pas planté, euh, sinon je me suis un peu mélangé les pinceaux. Okay. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que c'est que ce horreur Ok. Alors il faut que je refasse un peu mes traits. Attendez, 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 je suis un peu mélangé. Je suis un peu mélangé. Tac. Donc si on regarde en vue en coupe, il va falloir que je refasse le loft parce que vous voyez le loft il a fait un peu n'importe quoi à cet endroit là. Si on regarde ma vue en coupe, euh, ça se monte, c'est bon, c'est validé, euh, ça fonctionne. Il n'y a que le loft qui est un peu merdé, je sais pas trop pourquoi. Euh, le problème des lofts c'est que très souvent c'est des fonctions quand même qui demandent beaucoup de contraintes pour fonctionner à la perfection. Euh, mais donc là c'est juste rajouter des lignes. Euh, je ne sais pas trop si vous maîtrisez les lofts, euh, le chat, parce qu'il faut que je fasse une vidéo sur le sujet, je pense. Euh, mais donc oui, euh, oui, là, ça, ça se monte tel quel. Et du coup, même euh, si je fais un, euh, si je fais réapparaître la coque, je peux euh, ici souder euh, cette pièce-là avec euh, la coque. Tac. Hop, voilà. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une coque qui ressemblerait euh, à peu près à ça euh, si je cache le plateau. Tac. Voilà. Donc, là voilà. Normalement ça, tout se monte et euh, tout fonctionne. Et euh, le seul truc que j'ai à rajouter maintenant euh, ce sont tout simplement les trous pour laisser passer les vis. Euh, ouais c'est tout. C'est tout c'est tout. Et ben on va faire ça et du coup après ben, le, le modèle sera terminé. Cret sketch, Tac. Et je fais juste un bête passage de vis ici et là. Ok. Hop, euh, oh, petite extrusion. Ah, pourquoi il veut pas me sélectionner ça là euh, Laisse-moi sélectionner la pièce que je veux. Euh, Qu'est-ce qu'il me fait Voilà. Tac, j'en ai chopé un. Plus qu'à choper le deuxième. Voilà. Et voilà. Là j'ai mes passages de vis. Si je soude, je ne pourrais plus rentrer mon roulement. Oui, effectivement. Merde. Si, bah bien. Attends. Ta 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 ta. ta. Ok, donc ça c'est bien le body. Ok. Si, euh... si, si je soude. Alors attends. Euh, la coque. Si je regarde la coque. Si, bah si mon roulement. Bah, il rentre par là mon roulement. Là, il y a la place. Bon, faut que je rebouche ce trou, euh, je l'ai pas encore fait mais euh, mon roulement est rentré. Et ouais. Et normalement là, en fait, si je l'imprime dans ce sens-là, je pense que je n'ai pas forcément euh, tant de support que ça. Faut que je modifie 2 trois trucs au niveau des supports parce que sinon ça va être le bordel mais euh, normalement, je devrais pas avoir tant de support. Ça va à peu près fonctionner. Et ouais. Voilà, voilà. C'est vrai que j'avais pas trop pensé, donc effectivement j'aurais très bien pu avoir un problème. Je vais retravailler un peu le loft parce que vraiment il est, il est infâme. Euh, jamais vu un loft aussi moche. Tac, donc pour refaire un peu le loft, je reviens en arrière. Euh, alors il faudrait que. Alors effectivement, il faut que je laisse un passage de vis. Honnêtement, peut-être. est -ce que, ce que je pourrais faire, ce que je pense faire, c'est mettre des inserts 3D dans euh, les trous. Euh, je sais pas si tu connais des dèches. Parce que j'en ai déjà parlé en live, mais euh, vu que toi tu viens d'arriver, euh, je sais pas si tu utilises ça au taf en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait euh, Alors attendez, tac, tac, tac. Voilà. Donc j'ai retravaillé un tout petit peu euh, mon loft. Euh, donc finish sketch, très bien. Je laisse cette ski ici. Euh, vous voyez, ce qui me plaît pas déjà dans mon loft, c'est euh, cette courbe qui est quand même un peu euh, dégueulasse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une esquisse ici, donc euh, voilà je l'ai créé, vous l'avez vu. Et je vais commencer par faire un petit intersect euh, de tac de cette ligne là. Ah non même attendez, je vais faire un intersect de tout, donc il ne faut pas que j'oublie euh, de ligne là-dedans. Euh, un intersect de L, un intersect de L. Euh, pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque une ligne là Un Tout qui va pas. Tout qui ne va pas. Oui, je sais pourquoi. Ok, très bien. Donc cette ligne là et cette ligne. Ok, parfait. Euh... Extrusion hexagone. Euh... Ah le chat a posté combien de fois le même message là euh... Ok, donc où est-ce que j'en étais Je perds le fil. Ensuite, pareil, encore un petit intersect qui va me manquer pour faire un loft nickel. Hop, intersect ici, là, parfait. Et maintenant, en fait, si vous vous rappelez de la courbure dégueulasse là, eh bien, vous voyez, j'ai créé deux points là et là. Eh bien, j'ai plus qu'à les relier avec ce que je veux, une spline, une droite, peu importe, et ça va me servir de rail pour faire le loft. Tac, tac, tac. Ça, ça me gave. Euh, quantifier ça à chaque fois. Ok. Donc regardez, hop, celle-ci, celle-là, je valide. J'ai mis une petite spline. Et hop, regardez. Par exemple, je fais juste ça. Voilà. Je vais éditer mon loft. Edit. Et je rajoute ici un euh, rail comme ça. Et normalement, il est censé me le prendre. Euh, pourquoi tu ne veux pas euh, Il ne touche pas tous les profils. Ah oui, bah oui, bah je suis bête. Euh, J'ai pas fait. Euh, je suis bête, je me suis trompé. Euh... Je suis bête. J'ai mal fait en fait ma spleen. C'est un peu la contrainte. Euh... Je fais n'importe quoi. C'est un peu la contrainte euh, du loft, c'est qu'en fait, euh, quand vous créez un rail dans un loft, il doit croiser les profils. C'est la seule contrainte. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un intersex, c'est pour savoir où euh, ça croise. Donc, ce que je vais faire, pour être sûr que ça croise, eh bien, je fais la spin là, la spin là, et la spin là. Voilà. Ok, donc ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et voilà. Donc là, normalement, je dois pouvoir faire... Euh, je dois pouvoir modifier mon loft pour retirer cette courbure moche que je n'aimais pas. Voilà. Ah, tu testes le lien Très bien. Euh, J'espère que tout le lien fonctionne. Euh, ici du coup déjà c'est un peu mieux. Et alors effectivement je dois faire quelque chose pour euh, mettre ma vis. Euh, et bah alors attendez. Poil plus propre, ok. Euh, je reconstruis. Donc. Et du coup, bah non content d'avoir euh, des passages de vis. Alors est-ce que les passages sont traversants Non, ils ne sont pas traversants. Pourquoi Edit. Cut, symétrique, cut. Euh, Qu'est-ce qui me fait, là Oui, ok, bien entendu, bien entendu. Pouf, euh, pouf, 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 tac, tac. Donc là je cut bien. Ah ouais il veut pas cut un components. Euh, ça ça va m'embêter par contre d'avoir fait passer tout en components. Euh, parce que du coup effectivement quand on crée des components, techniquement euh, c'est plus vraiment fait pour être euh, modifié. Euh, là ça va un peu m'embêter. Euh, si j'essaye de refaire... Euh, ça va un peu m'embêter. Ouais, ouais, ouais. Ah si c'est bon, je peux quand même éditer le components. Ok, très bien. Finalement, il n'y a pas mort d'homme. Pas mort donc maintenant j'ai plus qu'à faire un petit emplacement pour euh, mettre un écrou. C'est tout. Et pour ça, eh bien, on ne va pas se prendre la tête. Je prends un plan. Tac. Voilà. Comme ça, je suis bien positionné. Je vois bien mes deux trous. Euh, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et je vais aller dans Create. Et je cherche Polygone. Ok. Je clique n'importe lequel des deux, ça n'a pas d'importance. Et je vais créer ici. Tac un emplacement pour mettre une tête hexagonale. Euh, ben bah non même pas. En fait, j'ai même pas besoin de tête parce que je mets des vis CHC et euh, donc les vis euh, CHC. Si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, euh, vis CHC. Ok. Euh, les vis CHC ont cette tête là, tout simplement. Euh, donc c'est d'un pur cylindre. Il n'y a pas ce voilà pas tortillé. Et sinon, euh, vis euh, vis hexagonale, vis H, vis H. Donc par exemple, vous pouvez avoir deux types de vis. Si vous avez une vis tête H, et eh bien vous pouvez faire ceci, donc vous créez tout simplement un polygone avec le bon nombre d'arêtes, et si vous trouvez la bonne dimension, et eh bien euh, ça sera, euh, sera nickel. Ça va rentrer en fait parfaitement euh, dans le logement, et ça va faire un truc quand même assez propre. Euh, je ne connais pas du tout la taille d'une vis euh, H, euh, on ne sait pas non plus ce qui est le plus intéressant. Euh, euh, Vise diamètre, ouais, pas M3, euh, 4, Épaisseur de la tête, s7. Très bien. Euh, ok. Donc regardez, j'ai regardé sur la doc, j'ai vu que les vis H avaient une tête de 7 ici. Donc voilà, je fais ça tout simplement. Hop. Et comme ça, en fait, quand vous allez visser, et eh ben tout simplement, votre tête H va rentrer dedans. Euh, vous vissez bien et il n'y a plus rien qui bouge. Tout simplement. Ok. Tac. Ici, Mirror Line. Alors, je vais me créer une petite ligne pour faire un miroir. Mais du coup, des dèches hein, si jamais tes collègues, ils ont besoin euh, d'un tutoriel pour bosser sur Autodesk, hein, tu sais qu'ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de souci. Euh, ils viennent sur Discord et là, bah, forcément, euh, je les dépanne, hein, bien entendu. Tac. Et voilà. Alors là, ça va être vraiment massif. Euh, c'est un peu trop gros à mon goût. Ou alors, c'est euh, mon modèle ici qui est un peu petit peut-être. Ouais, Vous voyez, je passe au travers d'une fois que je fasse un truc un peu plus euh, costaud euh, pour que ce soit propre. Oui, un petit truc comme ça, euh, peut-être moins 22, à mon avis. Ouais, moins 22 à l'arrière, ça peut quand même aller. Hein. C'est pas très propre, mais euh, ça peut aller. 23. Voilà, on va commencer comme ça. Il faudrait que ici j'épaississe un peu cette pièce. Hein. Vraiment, je l'ai faite euh, comme ça. Euh, elle n'est pas assez costaud à mon goût. Euh, je peux l'éviter quand même assez simplement, en théorie. Euh, non, finish. Ok, ok, ici. Ah oui, là, d'accord. Donc là, je ne peux pas plus éditer que ça. Très bon ah, Mais si les je t'inquiète pas. Je sais que tes collègues ne sont pas toujours attaqués. Je suis là. Et pas de souci. Tac. Et voilà. Mais en fait, techniquement, là, tout se monte. Alors, cette pièce-là est vraiment moche. Je vais la refaire. C'est sûr. Mais, 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 mais. Alors, regardez ce que je peux faire éventuellement pour épaissir un peu, éditer le plan qui est là et le descendre un tout petit peu. Je vais mettre 3.5. Tac. Vos tutos m'ont beaucoup appris. Tu me vois maintenant le chat Ah, putain, ça me saoule, ça fait ça. Pourquoi tu me vois le chat Qu'est-ce qui t'arrive euh... Ah, putain, il y a toujours le trou ici. Merde. Si je continue, en fait, là actuellement, j'essaie je, de descendre le plan euh, sur lequel j'ai modifié un peu le profil. Tac. Ok. Euh. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Non, mais euh, c'est vrai que là, franchement, euh, si je n'avais pas fait le loft je me serais simplifié la vie hein, de, de très très loin regardez d'ailleurs bah, parti pour simplifier la vie euh, parce que le non vraiment, le, en fait le loft le loft fonctionne très bien c'est juste que j'ai fait euh, euh, j'ai fait un truc un peu euh, je l'ai pas très bien paramétré ça c'est vrai et du coup vu que je ne l'ai pas très bien paramétré euh, ça fait un peu nawak donc là vous voyez par exemple un que ça là ça, ça, ça me plaît pas ça je veux pas j'aurais pas dû faire de loft en fait au début euh, je devrais même retourner en arrière et euh, virer le premier loft qui euh, je trouve n'est pas euh, n'a pas vraiment d'utilité. Et le trou est joué très très bien, un très bon jeu de mots de dash, il a gagné un bon point. Je pense que Dedesh à à partir sur un ban. Déjà t'es arrivé, tu fais des conneries, c'est pas possible, j'accepte pas ça. Après toutes ces années, tu m'as manqué et tout, et là tu reviens, paf, tu fais de la merde. Jour du beau langage. <laughs> C'est vrai que qu'est-ce que je m'exprime avec grâce et volupté. Euh, non mais vous voyez en fait par exemple là en fait si je passe au travers ici tout simplement parce que là ça fait une courbe euh, courbe qui n'aurait pas été là si je n'avais pas fait euh, de loft. Donc effectivement le loft là m'a un peu desservi. C'était pas la meilleure chose à faire. Euh... Donc soit je reviens en arrière et je refais tout, soit euh... soit j'essaie d'éditer mon loft. Alors, comment je peux éditer le loft? Attendez, on va réfléchir comment je peux éditer le loft. Je ce profil qui va là, ce profil qui va là, il euh, bah faut que je rajoute un rail, tout simplement. Un rail qui passe, euh, un rail ici, je vais rajouter un rail. Euh, oui, bon, en fait, effectivement, j'avais envie de parler des lofts parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les lofts. Alors qu'en fait, du coup, j'ai mis un loft à un endroit où il n'y avait pas besoin de loft. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Create sketch. Euh. Bah non, j'ai mis, mis ça au mauvais endroit. Ah, je fais n'importe quoi. Non, je retourne bien en arrière. Tac. Euh. Et il n'est pas encore minuit. Effectivement, il n'est pas encore minuit, mais je crois que du coup, euh, on va pas euh, se faire trop de mal non plus. Je pense qu'on va s'arrêter à minuit, en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, pour faire des lives, j'ai une endurance toute pédée. Et euh, je finis très vite par faire un peu d'awak. Euh, ok. Très bien. Donc, l'idée. Euh, ouais, l'idée est simple. L'idée est simple. En fait, regardez, je vais refaire la même chose. Je vais créer une esquisse sur mon petit point ici. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un intersect de ça, un intersect de ce point, de ce point, de tout ce qu'il y a là. Okay. Et je cache maintenant ce qui ne m'intéresse plus. Et je vais tenter un truc. Alors, là, je suis pas sûr que ça fonctionne correctement. Je vais dire, tu fais ça. Donc, ça, c'est pour créer des rails pour mon loft et euh, du coup pour le guider. Euh, parce que sinon, par défaut, un loft, en fait, il fait euh, ce qui lui le, le plaît le plus euh, selon l'algorithme qui régit euh, le loft. Ok, donc petit miroir, tac, tac, tac. Ok. Et je repars sur la création des lofts. Mais euh ouais, j'aurais dû, dû faire un truc plus simple. Vraiment, j'ai fait un truc trop compliqué pour, pour pas grand chose là. Euh, alors attendez. Ah, mais non, là, ça n'a pas fonctionné en fait. Je... C'est pas ça que je devais faire. Je devais créer un autre profil, tout simplement. Euh, je me complique la vie. Regardez, je devais juste faire un truc comme ça. Je crée une ligne ici. Tout simplement. Voilà, là, comme ça, pareil. Je la contrains bien. Collinaire. Tac. voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Euh, donc, alors, comment j'arrive à faire ça J'arrive à créer des lignes sans le faire exprès quand même. Ça c'est balèze. Heureusement qu'Oméga n'est plus là pour se moquer. Donc, Toc et toc. Et voilà. Et maintenant, bah, quand je vais reprendre mon loft, au lieu de faire un petit bout là, tac, je vais rajouter ça dedans. Est-ce qu'il me le prend Il me le prend pas. Il me le prend pas. Bien entendu, il me le prend pas. Parce que ça, c'est pas dedans non plus. Euh, pff, ouais, je fais des beaux tutos, je fais des beaux tutos. Euh... Euh, c'est pas dit, quoi. Je fais pas des beaux tutos là. Bon, après, c'est vrai que de toute façon, les lives, comme je dis toujours, le but, c'est d'être tranquille, c'est de discuter, c'est pas non plus de euh, se mettre une pression de dingue. Euh, si je voulais faire des trucs carrés, je ferais des vidéos, tout simplement. Ouais. Euh, attendez, il y a où mon deuxième plan. C'est lui. Édite. Écoute, pmsty si euh, tu me balances à Coméga. Je serais très déçu. Euh, tu auras ma déception la plus totale entre tes mains. Ok, project. Bon, allez, on va y arriver quand même. Vraiment, pourquoi je me suis lancé dans un loft à cet endroit-là J'aurais jamais dû. Euh... Je suis en train de mélanger mes esquisses en plus. Là, c'est quoi ce bazar ce bazar en vrai le plus simple mais c'est euh... ah oui alors par contre sur un live effectivement c'est qu'il ya quand même une petite prise de risque hein, de ma part faut être honnête euh, je me plante en live bah, je me plante en live je peux pas je peux pas faire ah ouais mais non mais j'avais du soleil dans les yeux je voyais pas non c'est fini tu te plantes en live si tu te plantes en live euh, du coup, ouais, du coup, j'ai juste en fait dégagé mes deux lofts qui ressemblaient à rien. Euh, mon moteur synchrone est ici. Et, et euh, en gros, en fait, ce que je devais faire, c'était ça. Mais vraiment, je me dis comme un bourrin. Merci aux 18 spectateurs qui sont là et qui me regardent euh, modéliser un peu n'importe comment ce soir. En tout cas, sur la fin de soirée, euh, ça s'était pourtant bien passé, ça a bien démarré. Mais maintenant, effectivement, c'est l'heure où euh, on modélise un peu plus crûment euh, c'est l'heure où on n'a pas peur de, de faire les choses quoi donc tout simplement au lieu de nous prendre la tête avec un loft même si les lofts sont très bien euh, les lofts la fonction la plus puissante de fusion euh, 360 et bien écoutez on va faire simple on va faire une extrusion ok et ensuite je euh, veux connecter lui euh, paf je vais connecter ce contour à mon résultat et voilà euh, pouf, pouf. alors il ne veut pas parce que euh, les deux profils ne lui plaisent pas profil 1 sélectionné parce qu'il lui manque en fait le contour à l'intérieur très bien Ok, alors attendez, je, je, je suis toujours là, hein, pas de panique. Euh, tu pas mon soutien. Pemusty, c'est un nom. C'est un nom. Euh, tac, donc ok, je vire un peu tout ce qui me sert à rien. Et puis il y a le plateau qui me gêne. Là, vraiment, je... Euh, rien ne va plus. Rien ne va plus. Eh bien en plus j'ai supprimé euh, une des mauvaises lignes si je ne m'abuse je commence à tourner autour de mon modèle ça c'est rarement bon signe hein. quand je commence à tourner beaucoup 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 euh, c'est pas bon signe ça euh, ça dégage ça ça dégage et je projette euh, les deux lignes qui sont là Hop. finish et voilà je vois pas comment j'ai pu réussir à péter un. Euh... Pourquoi il est pas content là Qu'est-ce qui va pas euh, Qu'est-ce qui va pas C'est pas une vie youtubeur, hein. je vous le dis. Hein. Vraiment, c'est pas une vie. Ah mais oui, je sais ce qu'elle est pas. Je sais ce qu'elle est pas. C'était le truc que j'ai supprimé tout à l'heure. Okay. Tac, euh, tout object. Euh, et vous êtes venus à me voir ramer du cake quand même. Hein. C'est un sacré truc. Euh, merci à tous ceux voilà, qui me regardent actuellement en train de peiner. Euh, je suis assez content d'ailleurs, parce qu'au départ, j'ai pas encore lu les messages dans le chat. Mais euh, au départ, j'avais commencé les lives pour vous montrer qu'en fait, quand on modélise, on ne modélise pas d'une manière euh, parfaite. Juste, euh, on modélise et on se débrouille comme on peut. Euh, les pros, ils font leur modèle euh, 3-4 fois d'affilée pour avoir un beau modèle. Et chez nous, il n'y a pas de ça. Chez nous, on a un rapport humain. Tac, coque, ok, coque est là. Euh, manivelle, on s'en fout. Plateau, plateau, que Plateau est là, plateau est là. Plateau se monte, très bien. Euh, ok, ok, ok Voilà Voilà, et là normalement euh, Là j'ai même pas besoin de me prendre la tête, si je regarde le plateau euh, J'ai un plat pour mes trous de vis Euh, mot finish Le mot finish euh, Ouais, ramer le dans, dans le cake Ça c'était un de mes collègues qui disait ça C'était une de ses expressions, il dit ça rame du cake Je l'ai gardé euh, non, non, il n'y a j'ai dit euh, « Tu dors dehors. » Il n'y a pas de « Je te soutiens, tu, tu dors dehors. Euh, » Je suis en mode veille. C'est vrai que je suis un robot. Je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de cœur. Et euh, de temps en temps, bah, je dois recharger les batteries. Et effectivement, bah, du coup, euh, du coup bah, quand je recharge, je, je, je rame un peu. Puis, euh, oui, il y a eu les mises à jour et tout, Windows 10, tout, tout ça. Donc, euh, euh, sélectionne moi ce profil de merde c'est parce que c'est la fin de soirée c'est bientôt le week-end pour ça euh, pourquoi il est pas content là attendez 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 profil 2 profil 2 j'aurais jamais dû faire un loft hein. vraiment euh, un loft à ce tour là de la journée c'était pas une bonne idée très bien profil 1 ah oui très bien je m'étais planté tout à l'heure ok profil 1 c'est lui fil 2 c'est lui voilà à ah, euh, bah, la moitié quand même euh, effectivement on voit pas très bien les sketchs euh, mais il euh, y a quand même un direct que on peut voir tout de même le chat ce qui est quand même pas dégueulasse euh, et en plus on peut voir ma tronche. Alors effectivement, on pourrait se dire à quoi bon voir ma tête. Euh, mais je trouve que voir la tête de la personne qui modélise, ça rajoute un euh, petit facteur humain. Un petit facteur... Euh, ah bah je vois quelqu'un modéliser. Et euh, pour avoir fait bah, des cours en visio, pour les avoir subis, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable de voir la tête de la personne que de ne pas la voir. Après je me trompe peut-être mais je trouve ça beaucoup plus vivant de voir la personne euh, ramer, euh, de la voir dans les yeux, euh, plutôt que de juste entendre une voix en podcast. Ça serait un peu chelou. Moi je trouve ça assez perturbant. Et euh, pour le coup je parle d'expérience. Après, ça plaît, ça ne plaît pas. Euh, ah oui, par contre, oui, effectivement, parfois je ne fais pas attention, peut-être que je euh, cale le modèle un peu comme ça. Okay. Oui, ça c'est vrai que je devrais faire attention à ça. Voilà, bah du coup, on est de retour. J'ai quand même un truc beaucoup plus propre. Euh. Oui, d'accord, donc toi tu, tu vas aller, euh, aller Poucave. Euh, très bien. Euh, tu vas aller Poucave à Omega, ça fait très plaisir. On voit bien euh, vers qui tu te tournes. Euh, je suis euh, profondément déçu de ton comportement, Pemusty. Je crois que ça mérite un ban. On n'est pas loin du ban. Voilà, comme ça, parfait. Moins 25. Parfait. Donc là, comme ça, l'écrou rentre, l'écrou visse et c'est plié. Euh, Qu'est-ce qu'il me manque Qu'est-ce qu'il me manque euh, Pouf, pouf, pouf. Alors ici, il me manque le trou d'axe qui a disparu. Voici euh, est, est passé Toujours vers la fin que ça part dans tous les sens. Hein. Ah, ici, là. Là, faut que je refasse le trou parce que, bien entendu, le loft m'a supprimé le trou. Ok, je valide parfait, très bien. Et là, je fais juste un miroir de la fonction ici, et normalement, ça sera terminé. Il y aura plus rien à faire. Ok, ok, il me l'a pris. Il me l'a pris parfait, et normalement, ça se monte. et un petit euh, combine ok ok et, et voilà c'est terminé euh, bah non Aaron alors je sais pas si c'est toi Aaron qui a demandé si euh, de que je fasse une vidéo sur la méthode atomique euh, je ne l'ai pas encore faite mais du coup je pense que je vais euh, faire ça euh, euh, je vais faire ça euh, tantôt pas, euh, bah, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Du coup, ce y a déjà des vidéos qui sont euh, dans la boucle, mais euh, oui effectivement, faut que là je vais mettre sur ma to do list une vidéo euh, sur euh, le sujet. Ah, euh, du coup, euh, Pierre et Black Dragon, vous trouvez que je commande pas assez, c'est ça euh, je, Parce que du coup, je vois pas à quel moment. Enfin, il y a une petite latence quand même entre le chat et le live. Du coup, je vois pas à quel moment tu plus sois euh, euh, Black Dragon. Je vais vraiment me dire Bad Dragon, mais euh, non. Euh, du coup, là voilà, c'est juste pour savoir euh, qui, euh, qui dit quoi, mais oui, sinon il faut que je commente un peu plus. Mais là, c'est vrai que c'était la fin du live et j'ai un, euh, un peu bourriné sur la fin. Alors, ton extrudeur claque et tu ne sais pas quoi faire. Euh, bah, tout simplement, tu peux soit augmenter la température, vérifier la tension euh, sur euh, ton fil. Effectivement, tu peux nettoyer ton extrudeur, enfin ton bloc de chauffe, si tu penses que le problème vient du bloc de chauffe. Mais, euh, tac. Euh, Mais, euh, mais aussi, ça peut, ça peut venir d'un peu partout. Donc pas, souvent, ça vient d'un manque de température ou euh, d'une euh, un, rétractation qui est trop forte. Et voilà, moi, je suis, moi aussi, je suis d'accord que euh, voir ma tête, c'est c'est pas une question de mégalomanie, très honnêtement, c'est juste que pour moi c'est plus vivant de voir de faire des gestes, juste parler, je trouve ça plus vivant. C'est tout, vraiment c'est... Et euh, par contre effectivement, n'hésitez pas à me dire si je cache euh, un truc avec euh, l'overlay, donc euh, ma tête, euh, les abonnements, machin. Euh, n'hésitez pas à me dire si je le cache comme ça, je, je me décale et je remets vite fait juste pour vous montrer. Euh, c'est vrai que parfois, ça j'y je fais, je fais pas attention parce que moi du coup je vois l'écran normalement. Et euh, je n'y pense pas toujours. Voilà. Ok, ben on va regarder si ça se monte à peu près dans Cura. Et on va arrêter euh, le live là. Parce que du coup on a 3 heures tout pile. Euh, moi aussi je t'aime, Dédèche. Je t'attends. Je savais que tu avais deux enfants. Mais euh, ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. Alors la rétractation, effectivement, c'est une assez bonne question. Euh, la rétractation, c'est un paramètre d'ancura que tu peux trouver. Euh, où est-ce que je l'ai foutu Rétractation, parce que j'ai trop de paramètres. Moi, j'ai activé le mode expert, du coup j'ai tout. Euh, tu vois ici euh, la distance de rétractation. Et la ré distance de rétractation te permet d'éviter euh, les euh, cheveux d'ange. Donc euh, en anglais, c'était le stringing. Hop. Ça te permet d'éviter ceci, la rétractation. Par contre, le gros problème, c'est que la rétractation a tendance en fait à faire boucher euh, l'extrudeur. Ok, tout se monte. Alors il y a des supports ici, ça je le savais. Ici, il n'y en a pas. C'est parfait. Très bien. Euh, donc il y a juste ici où il faut que j'optimise un peu le truc et que j'y réfléchisse euh, plus proprement. Mais en tout cas, euh, normalement, on ne devrait pas y avoir trop euh, de, euh, de problèmes. Euh, salut, bisous, euh, Pemusty, à la revoyure. Euh, ouais je devrais commenter un peu plus les opérations, c'est vrai que les extrusions je les ai passées un peu vite. Euh, le loft, le loft, je ne l'ai pas expliqué, parce que le loft, vraiment. Euh, le loft, je n'ai pas expliqué Est ce qu'il faut que je fasse une vidéo sur le loft. Je ne peux pas... Euh, là, je vraiment. Ou alors il faudrait que je vous montre comment faire un petit bateau là maintenant. Euh, si vous voulez apprendre à utiliser le loft. Alors la rétractation dans l'idéal faut la mettre au plus bas. Euh, quel, euh, quel imprimante tu as euh, Aaron C'est euh, une euh, assez bonne question en général, c'est quelle est ton imprimante parce que, en fait ça conditionne euh, énormément de choses euh, ton imprimante, notamment si c'est un direct drive ou un Bowden et euh, tout simplement le, sont deux modes d'extrusion. Je suis toujours en navigation privée ici, euh, ce sont deux modes d'extrusion différents. Ah oui d'ailleurs chose très intéressante, c'est que ici j'utilisais un roulement à de ce type, mais vous pouvez aussi trouver euh, des, euh, normalement des paliers. Et euh, les paliers qui sont très bien adaptés pour faire facilement euh, des plateaux tournants. Alors, attendez, si je trouve euh, ce à quoi je pense, des, alors eux ils appellent ça des buts à billes. Euh, pour faire un plateau tournant, vous pouvez utiliser des butées à billes et en gros c'est tout simplement, c'est un peu comme une route caddie. Si vous voulez, c'est euh, dans le même concept. En fait, c'est une route caddie, euh, c'est plat et quand vous appuyez dessus, bah, ça tourne. Et ça peut être très pratique. Hein. Si jamais vous avez besoin de faire des plateaux tournants, vous pouvez trouver ça. Euh, des butées à billes, c'est euh, vachement bien. Endor 3v2, donc alors attention, Endor 3 V2, il me semble que c'est une imprimante avec un bowden. Euh, oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est un bowden, Donc dans l'idéal, tu vas avoir besoin de mettre de la rétractation pour une imprimante de ce type. Euh, parce que ton fil fait tout ce chemin. Tu vas avoir besoin de mettre de euh, la rétractation. Euh, parce que sinon ça va te faire plein de petits cheveux d'ange comme ici. Par contre, euh, moins tu en mets et mieux tu te portes. Donc attention à euh, ce problème qui est assez, euh, assez court. Euh, que dire de plus, après la grande question c'est à quelle température euh, tu imprimes. Voilà, ça c'est souvent un des euh, principaux problèmes. Oui, c'est assez étonnant quand même parce que cette forme-là, euh, techniquement, qui est assez compliquée à réaliser euh, sur, euh, sur fusion. Enfin, donc il est assez compliqué en termes d'usinage, elle est très dure à faire. Et pourtant, grâce à l'impression 3D, euh, ça se fait assez facilement. Ok, donc alors 200 degrés, c'est globalement standard. Euh, donc ouais, je pense que tu peux essayer de partir sur de la rétractation. Euh, après, il y a peut-être une histoire de pas. Ouais, non, c'était juste que, effectivement, ton, ton bloc de chauffe est dégueulasse. faudrait faire un peu de test. C'est vrai que ça peut se bidouiller. Euh, écoutez, bah pour tous ceux qui sont là, pour les 16 personnes qui nous restent, euh, bah n'hésitez pas à y aller. Moi le live se termine euh, ici. Euh, si tu veux, à Ron, on peut euh, rediscuter de tout ça tranquillement sur Discord. Euh, parce que du coup je vais, euh, je vais couper le live à cet endroit là. J'ai fini de modéliser. Donc euh, je, vais pas, euh, je vais pas user le truc jusqu'au bout. Euh, je pars. Euh, merci à toi le chat. Très bien. Bah, bonne soirée. Euh, voilà donc. Euh, N'hésite pas ici dans Aide à l'impression euh, 3D, il y a euh, plusieurs personnes qui ont posé leurs questions euh, sur leurs imprimantes. Euh, oui, oui, non, mais viens, viens chatter. Hein, je, non, de toute façon, moi non plus euh, je, il est tard, je ne vais pas me mettre en, en vocal maintenant. Mais donc ici, tu vois, il y a des petits chalets euh, qui traînent pour poser tes questions euh, sur la euh, sur les problèmes d'impression 3D. Donc voilà, si jamais d'ailleurs d'autres personnes ont des problèmes, euh, n'hésitez pas à passer sur le Discord pour venir poser vos questions. Et d'ailleurs, bah, tout le monde peut y répondre, surtout. N'hésitez pas, bisous Dédèche. Mais, euh, mais donc voilà, euh, c'était une question. Là, c'était en plus cache qui avait un problème de mise à niveau. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait un problème d'extrusion aussi. Euh, un problème d'extrusion. Euh, non, pas ça. Euh, non, en fait, je crois que c'est juste qu'il avait une qualité absolument euh, dégueulasse. Ouais mais c'est normal, en même temps la pièce c'était assez compliqué. Voilà. Euh, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si, si vous avez des questions. Euh, Aaron, donc voilà, si jamais tu es en galère, n'hésite pas. Adrien, bonne soirée. Alexandre, bonne soirée. Et euh, du coup, moi je vais euh, couper le live là si personne n'a d'autres questions. Et Aaron, on s'occupe de ton cas directement euh, sur Discord. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ah pff. Et voilà, j'ai voulu finir le live trop vite, j'ai bégayé, forcément c'est malin. Et oui, aussi effectivement, il y a plein de groupes Facebook dédiés à l'impression 3D, ils sauront te répondre et même je pense que si tu fais une petite recherche, tu trouveras ton bonheur. Voilà, sur ce, je vais refaire la fin. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager, hein, comme ça, histoire que euh, les gens euh, retrouvent un peu les lives. Euh, vraiment, vous m'aidez beaucoup à euh, croître ces temps-ci. Vraiment, grâce à vous, euh, la chaîne a pu se construire. Euh, C'est grâce à vous tous euh, que nous sommes actuellement. Attention, euh, nous sommes 1591 sur la chaîne et. Euh, on a fait 1180 vues ces deux derniers jours C'est grâce à vous tous Merci beaucoup Et euh, du coup moi je vous souhaite à tous Une bonne soirée à la prochaine Ciao